want is round, yeah. Found you sitting all alone, looking down your phone. All I want is Ah, voilà, là vous devriez m'entendre à présent. Voilà, j'ai démuté mon micro. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes déjà à m'entendre. Alors. Oui, c'est ça. Eh bien oui, nous sommes quelques-uns. Eh bien, bonsoir à tous. Voilà, je vois que... Mais oui, il y a du monde, super. Alors, je... Voilà, j'ai quelques petits réglages à faire. C'est toujours un petit peu complexe à préparer. Donc, je suis encore la tête dans la technique, mais je suis très heureux d'être là. Et d'ici quelques instants, je serai pleinement à vous tous. En tout cas... bonsoir à vous tous, donc bonsoir Dovan qui sera le modérateur du chat et qui pourra aussi répondre à certaines questions. Donc voilà, effectivement, j'avais oublié de démuter mon micro, mais là à présent, normalement c'est bon et vous devriez m'entendre correctement. Donc plein de monde et ça c'est super chouette. Donc bonsoir Julie, bonsoir Cyril, bonsoir micro SAAS.
Mahemat Prof, Gwen Boulet, Cyril Chamalet, je crois que je l'ai déjà salué, absolument. Il y a Tête au Carré, et c'est super, c'est un très bon début. Alors là, pour l'instant, je suis tout seul. Dans un petit quart d'heure, 20 minutes normalement, il y a Stéphane Maddaleno qui va nous rejoindre. Donc Stéphane, que vous connaissez sans doute, hein, puisqu'on m'a fait une vidéo sur son outil TextBulker, un de ses outils. Donc, il viendra nous donner de ses nouvelles. Donc, voilà, là, normalement, il devrait se connecter dans quelques instants. Et puis, à cette occasion, eh bien, voilà, il vous offrira un tirage au sort de quelques packs TextBulker, donc, qui permettent donc de créer des textes spécialement pour l'édition web, pour mettre en ligne. Alors, on reviendra sur le pourquoi de ce genre d'outil tout à l'heure avec lui. Mais voilà, c'est un chouette cadeau qui nous fait là. Puis déjà, sa présence, ça sera assez exceptionnel. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on fête aussi les 20 000 abonnés sur la chaîne. Alors, je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on fêtait les 15 000. Mais c'est vrai que la chaîne est dans une phase d'accélération actuellement. Alors, c'est super chouette et c'est grâce à vous. Donc, merci à tous les abonnés qui font que cette chaîne est de plus en plus vue et appréciée. Voilà, c'est quelque chose qui évolue dans le bon sens. Alors, je vois qu'il y a de nouveaux arrivants. Il y a Luc de Barré Consulting. Bonsoir, Luc. Il y a Ninou, Note Perfect. Bonsoir. Il y a Yoga Safran. Bonsoir. Tesla 3. Et je n'oublie personne, je crois. En tout cas, bonsoir à tous. Donc, oui, 20 000 abonnés. C'est assez formidable. Et donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, ça confirme certaines directions que prend la chaîne et puis certains projets. Donc, la chaîne la connaît un boom, surtout, enfin, grâce en partie, on va dire, à un sujet qui a fait éruption là, aux environs de Noël. J'avais fait une vidéo sur ChatGPT. Il se trouve que cette vidéo a explosé et que d'autres vidéos que j'avais fait sur l'IA précédemment et après ont connu un peu la même explosion. Donc, cette chaîne ne va pas se spécialiser dans l'IA, même si c'est un sujet que j'apprécie, qui m'intéresse. Voilà, je continuerai de parler d'autres choses, telles que la photo, la vidéo, et puis les outils de création multimédia au sens large. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, l'actualité de l'IA est très importante et qu'il y a plein de choses à dire, de super intéressantes. Donc là, vous accueillez très favorablement ces vidéos actuellement. Donc voilà, je vais pas me priver hein, de surfer un peu sur la vague, mais comme je le dis, voilà, il y a vraiment plein de choses pour les créateurs et qui sont plutôt positives. Alors, positives, oui et non, j'avoue que je n'avais jamais connu auparavant le phénomène des trolls, c'est-à-dire, voilà, c'est communément appelé comme ça sur Internet, ce sont les gens qui sont très en colère, à qui vous ne plaisez pas en quelque sorte, et qui viennent vous insulter ou critiquer vos contenus, etc. Bon, il se trouve que depuis l'avènement, enfin depuis que l'IA devient un sujet très dont les gens parlent beaucoup, eh bien, il y a aussi une agressivité, hein, peut-être par peur de ce que peut faire l'IA, mais aussi par crainte qu'elle vole les emplois dans divers secteurs d'activité. Alors, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Hein, je ne suis pas sûr que l'IA n'ait pas des côtés négatifs hein, dans son explosion dans nos vies, mais je vais prendre un petit...
Un petit exemple, vous voyez, il fut un temps où les livres étaient réalisés par des moines copistes. Et un jour, il y a un mec qui s'appelait Gutenberg, hein, je crois qu'on le connaît tous, hein, qui a inventé l'imprimerie. Bon, eh bien, évidemment, l'imprimerie, cette invention, a sans doute réduit l'importance des moines copistes. Hein, mais en même temps, eh bien, Gutenberg a fait naître une industrie et a surtout permis la diffusion du savoir. Alors, je ne dis pas que l'IA, voilà, c'est l'imprimerie du 21e siècle, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, je reçois des insultes, voire voilà, des menaces à peine dissimulées. C'est très désagréable et ben, la parade que j'ai, hein, elle est toute simple, c'est que je supprime. Donc voilà, s'il y a des trolls ici, eh bien, vous serez supprimés. C'est tout ce que je peux dire. Je le regrette, hein, ça ne m'amuse pas. Mais en tout cas, voilà, ben je censure un peu, voilà, je censure l'insulte sur la chaîne, ça ne me plaît pas. Mais en tout cas, voilà, ça me libère l'esprit parce que finalement, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point, voilà, un petit message, enfin, ce n'est pas un petit message, c'est 5 ou 6 messages par jour très désagréables peuvent plomber un peu l'ambiance. Donc voilà, on va passer à autre chose, mais ça, c'était. Cette rencontre avec les trolls, eh bien, voilà, ça existe, c'est pas super sympa, mais je pense que, voilà, on peut pas jeter l'IA comme ça, en l'accusant de tous les maux. Je pense que ça apportera pas mal de choses à pas mal de gens, et puis, bah, il faut veiller, quoi, à ce que cela ne déborde pas négativement sur nos vies. Donc, voilà, en tant que citoyen, eh bien, on aura tous l'occasion de l'ouvrir, mais poliment et de façon sensée. Alors, sinon, je vous parlais de que les sujets classiques reviendront bien sûr sur la chaîne. D'ailleurs, il y en a 2 prévus prochainement. Et alors, je vois qu'il y a plein de gens, enfin plein de gens, qu'on est de plus en plus nombreux ici. Donc voilà, bonsoir Nicolas, bonsoir Alpha T. Nicosem, bonsoir à toi, salutations, on se croise souvent sur Twitter, et donc bienvenue ici. Je disais donc oui qu'il n'y aurait pas que de l'IA sur la chaîne, bien entendu, et qu'un des prochains sujets, par exemple, ça sera la photographie. Il se trouve que parmi les abonnés, il y a Dovan qui aujourd'hui est à la modération sur le chat, est un de mes tipeurs. Enfin, c'est le seul tipeur régulier. Et donc, voilà, chaque mois, il donne... Alors, je mettrai mon Tipeee en description. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas pour l'instant, ou peut-être en bas, en tout cas. Voilà. Mais c'est... voilà, tous les mois, il donne une petite somme. Il se trouve que grâce à ces dons, j'ai acheté... Alors, je vais vous le faire voir tout de suite. Alors, je regarde si Stéphane arrive. Je ne le vois pas encore. Bon, j'espère qu'il n'a pas de difficultés techniques à nous rejoindre. En tout cas, si c'est le cas, Stéphane, si tu as des problèmes techniques, hein, tu m'appelles sur mon téléphone. Et puis on voit ce que l'on peut faire. Donc, je vais vous faire voir. Alors, je vais aller chercher ce petit fichier. Qui est? Eh bien, qui est là? Voilà. Donc, grâce au don de Dovan, voilà, j'ai commandé ce que l'on appelle une bonnette macro. Alors, faut savoir que moi, j'ai un truc que j'adore, c'est la vie en général, mais aussi tous ceux qui sont vivants, et entre autres, voilà, tout ce que sont les petites bêtes, et les grosses bêtes d'ailleurs. Mais dans mon jardin de pain, voilà, j'ai la chance d'avoir on a la chance d'avoir un jardin, y a des insectes, et franchement, moi, ça me fascine, cette petite vie qui pourrait sembler négligeable, voilà, qu'on élimine parfois facilement dans certaines cultures. Et puis, mais moi, je trouve ça formidable, et cet outil me permettra
eh bien, de les prendre en photo et de commencer un petit peu, parce que j'ai un objectif macro, mais qui est ancien, que j'avais en argentique, et voilà, qui n'est pas idéal. Et ça, c'est ce que l'on appelle une bonnette macro, et ça permet donc de transformer n'importe quel objectif. Hein. Voyons, on peut prendre un objectif comme celui-ci, ça vient se mettre devant, ici, et ça vous le transforme en objectif macro. Alors, c'est pas, évidemment, ça ne rivalisera peut-être pas en piqué avec des objectifs macro de plusieurs milliers d'euros, mais voilà, sachez que ça, on en a environ voilà, un peu plus de 80 euros, et donc c'est grâce au don de Dovan que j'en ai fait l'acquisition, donc il va arriver dans ces jours-ci, et je ferai une vidéo sur cet outil, et je vous dirai ce que j'en pense, donc ça sera sponsorisé en quelque sorte par Dovan. Mais voilà, je suis impatient de le recevoir. Alors, c'est constitué d'un adaptateur qui permet de fixer au niveau du porte-filtre de l'objectif. Et puis, vous avez une lentille fabriquée au Japon. Hein, donc, c'est de la très bonne qualité optique. Hein. Regardez bien la marque, hein, c'est la Renox. Et là, c'est le modèle M250 qui peut s'adapter sur des objectifs jusqu'à 67 millimètres. Donc voilà, on reparlera donc de photos très bientôt, et en l'occurrence de macro. Je ferai une vidéo aussi sur le logiciel Luminar. Donc je sais pas quand exactement, mais j'ai commencé à les écrire cette vidéo, et je n'ai plus qu'à la tourner. Et donc voilà pour cette partie-là. Et puis sinon, côté de l'IA, j'aurai une vidéo sur les prompts. Hein. C'est comment on peut ajouter des paramètres et faire en sorte d'obtenir des choses assez précisément avec Midjourney, par exemple. Hein. Donc, j'ai aussi sans doute dans les tuyaux, on reparlera de ChatGPT et puis des IA textuelles. Voilà. Pour le programme des prochaines vidéos. Et puis, il y aura peut-être des surprises, hein, parce que si l'actualité est riche, eh bien, des fois, ça peut être sympa de sauter dessus. Alors, je vois que ça clignote ici. Je regarde si notre ami Stéphane est arrivé. Non, toujours pas. Quelle heure est-il? 46. Eh bien, ça m'inquiète un peu. J'espère qu'il n'a pas de soucis. Alors, si toutefois, je vais regarder sur mon Twitter, si, parce que je l'ai vu, on est... il comptait bien être là ce soir, donc s'il n'y est pas, c'est qu'il y a eu un petit souci. Alors, ça peut être d'ordre technique ou personnel. Je regarde si j'ai pas de notification de message. Non. Bon. Eh bien, je vais regarder un petit peu dans le chat qui est là. Alors, donc, Dovan, tu me dis si tout va bien de ton côté. Ah, ça y est, je vois Stéphane qui arrive. Super. Salut Stéphane. Ah, d'accord. C'est un problème de... Eh bien, c'est pas un problème. Écoute, t'es... donc par rapport à l'heure, tu es en avance même, carrément. Alors, tu sais... Bon, alors je sais pas si tout le monde nous t'entend pour le moment, parce que je suis pas dans la config du haut. Alors, quand tu parles, je regarde. Non, je pense que tu ne passes pas. Alors, je vais faire les petits réglages pour que tout ça fonctionne. Et puis, je regarde. Donc, est-ce que vous streamez sur Twitch également? Alors, tête au carré, non. Là, je ne fais pas de multidiffusion, mais ça viendra. Hein. Et c'est prévu, mais c'est prévu depuis des mois. Et puis voilà, le temps passe, mais ça viendra. Alors, je vous dis à tous que Stéphane vient d'arriver et qu'on va basculer dans quelques instants sur la chaîne
en duo. Et là, je prends juste un peu les infos du fil des commentaires. Oui, bien sûr, Ninou, notre père fait qu'on ne s'arrêtera pas de parler de photos et de l'A6000. D'ailleurs, voilà, j'ai prévu aussi de parler du A6400 et de Sony et puis de l'actualité photo. Mais il va y avoir des nouveautés sur la chaîne. Donc, on va faire de la place pour tous ces sujets que je sais importants pour vous. Donc, Dovan me dit que tout baigne. Donc, c'est impeccable. Laurent, bonsoir à toi. Salutations. Thomas, super, bienvenue à toi Thomas. Sincrad, bonsoir à toi. Gwen, salutations, bienvenue ici. Thomas dit, ah je ne savais pas qu'il y avait un live avec Stéphane. Et il dit cool, donc eh bien on accueille Stéphane tout de suite. Voilà, alors je t'en prie Stéphane, dis-nous quelque chose. Ouais, bah écoute, bah merci beaucoup pour l'invitation. Donc voilà, c'est vrai que tu es un passionné d'IA et tout ce que tu présentes sur ta chaîne, on se partage des petits liens. Voilà, on est vraiment au début d'une révolution. Et puis, bon, voilà, il y a eu les textes, mais là, c'est vrai que sur tout ce qui est l'image, et je vois aussi que c'est ta passion, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui sortent, il y a beaucoup de choses. Ça va être une révolution, quoi. Il y a tellement de petites choses qu'on va faire, c'est super, quoi. C'est clair que ça va être une révolution, des bouleversements certainement, et on ne sait pas quelles seront les finalités et jusqu'où ça ira. Moi, je le vois bien dans les commentaires, j'en parlais tout à l'heure avant que tu arrives, hein, c'est que avant sur cette chaîne, j'avais jamais eu de troll, ou peut-être une fois. Mais depuis que j'ai mis l'IA dans les sujets, et c'est phénoménal, hein. J'en ai eu jusqu'à une dizaine par jour, et en moyenne, voilà, j'en ai 5-6, et donc c'est ce que j'expliquais, c'est assez violent parfois, je supprime tout simplement, c'est la seule alternative que j'ai trouvée, parce qu'au début, j'ai essayé de discuter, mais en fait, on perd beaucoup d'énergie et de temps, et on se rend compte que non, que c'est plus fort qu'eux, hein. Il n'y a rien à faire, donc... Donc sûr. Voilà, moi je suis prête au débat tant qu'on reste courtois et puis que ça, voilà, qu'il y a un petit peu d'intelligence derrière tout ça. Mais en même temps, je comprends qu'il y ait des craintes. Et on en reparlera tout à l'heure, hein, voilà. Et donc moi, c'est sûr que ça peut faire peur parce que ouais, c'est vrai que ça évolue tellement vite. Alors voilà, après il y a des choses qui vont pas trop au niveau de la qualité, mais ça s'améliore tellement vite, tu vois, en quelques mois. Donc imagine dans un an où est-ce qu'on sera, quoi. Voilà. Après c'est sûr que des fois ça plaît pas trop à certaines personnes, mais voilà, c'est au niveau de la photo, de la création. Faut se dire que c'est des outils qui vont nous faire aller plus vite, quoi. Alors oui, et puis je crois qu'il faut se rendre compte aussi que dans l'histoire de l'art, par exemple, hein, l'histoire de la technologie est toujours en parallèle. Quoi que l'on regarde, on voit que l'artiste s'empare de la technologie. Donc je pense que des artistes, bientôt, c'est peut-être déjà le cas, j'ai déjà vu des expérimentations fort intéressantes. Je pense que, voilà, que ça soit... Enfin, tous les types d'artistes pourront s'emparer de l'IA et de ses outils pour créer à nouveau. Et c'est ça qui est un peu fascinant, parce que ça poussera le bouchon un peu plus loin, quoi, dans l'histoire de l'art et de l'histoire des technologies. Il faut être un petit peu plus optimiste, peut-être, que... voilà, Orwell, il peut être un petit peu là, dans des coins, bien sûr, 1984, il n'y a pas que des méchants. Hein. Non, c'est sûr. C'est vrai que c'est vu un peu comme des méchants, mais là, c'est sur l'IA, sur les images, les créations. Il y a des concours sur des thématiques qui se créent. Ou voilà, crée-moi un personnage, un pompier, etc. Et puis, il y a des concours qui commencent à se créer comme ça sur les forums, sur les Reddit, où chacun, avec ses prompts, ses créations, commence à faire des créations, puis en ajoutant les arrière-plans, etc. Et après, ils vont plus loin. C'est « Ah, oh, maintenant, on a fait ça, mais est-ce que maintenant, on ne ferait pas un concours sur celui qui arrive à créer la plus belle page A4 de BD avec une mini-histoire ?» Et là, ils commencent à perdre. « Bon, maintenant,
avec Stable Diffusion, enfin, t'as des modèles faits pour générer maintenant des vidéos carrément, qui commencent à être faits. Alors, c'est au tout début, hein, mais ok, maintenant, est-ce qu'on ferait pas un petit clip? Et en fait, tu vois que c'est la communauté qui fait grossir les trucs. Après, t'as des outils propriétaires payants. Oui. Celui qui donne les meilleurs résultats aujourd'hui, c'est Midjourney. Mais quand tu vois Stable Diffusion, et puis même tous les scripts open source qui commencent à sortir avec des améliorations au niveau de l'interface graphique de Stable Diffusion, etc. Et puis la communauté open source qui crée des scripts et qui les donne en open source avec des modèles spécialisés dans les traitements d'images spécialisés. Voilà, en quelques mois, les soirées sont longues. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je consomme pas mal de Midjourney, mais je teste aussi Stable Diffusion en local. Tu sais, avec l'interface, j'ai oublié son nom, c'est un chiffre, c'est 1111. Oui. Hein, c'est ça. Et donc, il y a des forums qu'on peut installer dessus, puis des tas de modèles. En fait, c'est vraiment génial. Hein. Je télécharge des tas de modèles. J'en ai peut-être 50 sur ma bécane maintenant, et chacun peut faire des choses particulières, et notamment pour la vidéo. Là, on sent que ça bouge. Et franchement, c'est un peu comme si on calculait du rêve, quoi. Enfin, c'est vraiment très étonnant. Ouais, non, c'est incroyable. Ouais. Et c'est vrai que, bon, bah, qu'on ait l'esprit un peu créatif, et il y a matière à faire. Et puis, l'autre fois, je testais là, un outil pour la musique. Alors, évidemment, on est loin de ce que pourrait sortir un musicien, mais il y a quand même des choses intéressantes, ne serait-ce que parfois pour l'inspiration, quoi. Enfin, bon, je pense que c'est vraiment les prémices et qu'on va être surpris tout au long des mois qui vont venir. Tu as Google qui a sorti musique ML, voilà, ouais, avec les petites démos. Ouais. Mais ça, c'est balèze. Voilà, hein. C'est balèze, mais voilà, c'est comparé à de la vraie création, c'est pas encore tip-top, mais tu vois, tous les articles musicaux aujourd'hui, bah, ils sortent, je sais pas, mais peut-être 10 musiques, ou deux singles par an. Enfin, j'en ai aucune idée, mais grâce à l'IA ou grâce aux inspirations, peut-être que avant c'était les DJ qui faisaient aussi fureur. Peut-être que maintenant, la création musicale va beaucoup se développer. Il va y avoir aussi beaucoup plus de choix. Et bien sûr, ça va accélérer, quoi. Certainement, et ça donnera naissance à d'autres choses, et peut-être que ça démocratise en même temps certaines choses. Moi, on me fait le reproche, là, actuellement, je le vois dans les commentaires, parfois, qu'on va manger le boulot des graphistes. Moi, je ne suis pas sûr de ça, hein. Je pense que je connais des graphistes qui s'inspirent du travail qu'ils peuvent faire avec l'IA, par exemple. Hein. Ça leur permet d'aller plus vite, ça leur permet aussi de baisser certains coûts, et voilà, hein, et plus de gens pourront bénéficier de services de qualité de création graphique. On peut le voir aussi comme ça, et je suis sûr que ça va être une partie des conséquences de ça. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, ça va être... Voilà. Après, il y en a qui vont en abuser, malheureusement. Là, par exemple, on parlait de musique, mais il y avait une histoire avec un hacker bulgare, je ne sais pas si tu te rappelles, qui était devenu millionnaire grâce à Spotify. Ah non, en fait, il avait créé des playlists et avec des musiques qu'il avait créées, mais qui étaient un petit peu bidons, qu'il avait mélangées à des playlists. Et il avait acheté, je crois, des comptes Spotify, et puis il avait fait un truc viral pour que ces playlists, dont sa musique, soient écoutées. Sachant que Spotify, en moyenne, je crois que chaque écoute, tu gagnes 0,004 centimes la musique, si tu veux. Ouais. Et du coup, il avait fait des millions comme ça. Il avait même acheté des comptes Spotify à 14 euros. Enfin, je ne sais plus combien ça coûte, 14 euros par mois. Mais c'est avec ses propres comptes, il avait créé des robots qui écoutaient ses propres musiques, en fait. D'accord. Et il a fait des millions. Et en fait, dans les conditions générales de Spotify, ce qu'il a fait, en fait, c'était parfaitement légal, même si c'était un peu bizarre. Donc maintenant, Spotify, ils ont bloqué un peu le truc pour pas qu'il y en ait d'autres qui fassent ça. Mais le mec, il est devenu millionnaire en faisant ça de façon totalement légale. Donc maintenant, avec l'IA... Si la musique, la création musicale vient à n'importe qui et que tu ajoutes, enfin, que tu as cette facilité, tu peux imaginer les gens qui créent leur propre création musicale, qui les mettent sur Spotify, qui les font écouter à d'autres personnes. Non. Et en fait, tu n'as plus besoin presque de devenir vraiment un spécialiste parce que bon, y a tellement de musique, des trucs inconnus qui sont finalement bien.
C'est vrai que déjà, la musique, ce n'est plus que le simple fait des instrumentistes. Nombreux sont les DJ, les faiseurs de son qui font de la MAO, qui ne sont pas forcément des techniciens et des virtuoses sur un instrument. Ils peuvent s'amuser un peu avec un clavier ou ce genre de choses, mais ça ne les empêche pas de créer de très bonnes choses que les grandes stars aujourd'hui interprètent. Donc, c'est vrai que là, c'est l'abstraction finalement du médium instrument au bénéfice d'une création qui se fait autrement. Le tout, c'est, je dirais, c'est de pouvoir y mettre son grain de sel, quoi, pour matérialiser une idée, une inspiration qu'on peut avoir. Et je pense que ça sera aussi dans les tuyaux, ça, bientôt. Ouais. Bah, c'est... Je sais pas, j'ai pas de mots. Il y a T'as tellement pas de de choses mots, à mais... faire. Mais c'est vrai que ça peut laisser sans mots. Ça laisse sans mots. C'est vrai que voilà, après, voilà, ça va être celui qui a l'idée. Maintenant, tu as une IA qui fait tout, qui fait le texte, qui peut même te créer l'idée. Par rapport à l'idée, il va te créer une image. Par rapport à l'image, il va te créer une vidéo. La vidéo, du coup, Ah, tu as mais les tout à images, fait. tu as les textes et tu auras la musique qu'on vient de dire. Et tout ça, ça va être simplifié de plus en plus. Voilà. Tout à fait. Alors ça, c'est dans mes projets, c'est qu'un de ces quatre, je ferai une vidéo ici sur cette chaîne 100% synthétique. Ah oui. Ouais, Ah tu oui. vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Avec un robot qui... Donc, c'est pas ta voix, c'est ça? ça sera pas ma voix, ça sera pas ma tête, ça sera pas mon texte, ça sera pas ma musique. Enfin, tout aura été synthétisé via les outils. Donc bon, ça sera dans quelques mois, je pense, mais j'y pense déjà et je sélectionne des outils Mais qui j'ai me vu, permettent je te ça. filerai la chaîne, il y a une chaîne américaine bah, qui fait de l'IA en fait. Et en fait, c'est un petit robot qu'il a dû faire avec Midjourney, tu vois, qui parle, mais Ah qui oui. parle avec la voix de Sean Connery, enfin, fait par l'intelligence artificielle et super bien faite. Donc, tu as cette voix qui nous paraît un petit peu familier parce qu'on a l'habitude de regarder Eh oui. ces films. Et du coup, tu es encore plus focus sur les outils. Et puis là, ça me fait penser. Donc, toi, tu utilises. Automatique 1111. Oui. Et là, il y a une autre version un petit peu similaire, c'est Invoke AI. Je ne sais pas si tu as entendu Ah, si, j'ai parler. entendu parler, oui, tout à fait. Et Alors, ouais. voilà, qui est un peu du même style. Et du coup, le mec, il t'explique comment il fait ça et comment cet outil, encore qui est encore une surcouche à cette diffusion, et Eh encore un ouais. outil avec une interface vraiment propre pour que n'importe qui puisse, bah, sans aller trop facile, enfin trop loin dans les réglages, mettre des réglages peut-être semi-automatiques. Et avoir des installations plus faciles. Mais c'est ton idée, ça, c'est une bonne idée, puisque voilà, j'ai vu passer un peu le même style. Donc, C'est vrai que c'est un petit challenge et puis ça sera l'occasion de présenter justement des outils qui permettent de faire tout ça parce que il y en a déjà un certain nombre qui sont assez impressionnants. Tu parlais des voix, mais effectivement, on peut cloner sa voix déjà. Ça coûte pas très ouais. cher et franchement, c'est bluffant hein, parce que tu lui fais lire le texte. C'est franchement, tu peux faire de la vidéo en automatique. Enfin, je sais que. Peut-être dans les viewers de ce soir, les gens qui sont là, il y a des rois de l'automatisation. Ils sont peut-être déjà sur le coup pour nous faire des vidéos sans les mains. Donc, d'ailleurs, Ouais, sur le chat, Stéphane, ouais. j'y regarde, je vois qu'il y a du monde d'arrivée. Donc, salutations à vous tous. Bonjour Driss, bonjour. Alors, Sine. Idzan Hassan, salutations. Il y a Lébi en paquet. Je ne sais plus si je t'ai salué tout à l'heure. Thomas, oui. Il y a Ju. Bonsoir, Ju. Ah oui, il y a des têtes que je connais. Eh bien, c'est bien possible hein, parce que Ouais. j'ai vu que tu avais annoncé ça sur Twitter. Je l'avais fait aussi il y a quelques jours et puis j'ai eu quelques Et contacts. oui, en plus sur Twitter, j'ai dit 21h. Donc Ah oui? je me suis dit, oui, je sais pas ce Écoute, qui, j'ai pas ce que j'ai fait. et nous y sommes. Donc voilà. Eh bien, écoute, tout ça, c'est du timing et c'est. Alors, hein, moi, je suis très heureux que tu sois là ce Bah soir. c'est Et moi, c'est moi. je voulais dire en plus que voilà, tu es
une notoriété dans le monde du SEO, de l'édition de sites, et à juste titre parce que tu fais des outils très qualitatifs. Et j'en profite pour dire qu'en France, j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite exception culturelle chez les éditeurs de sites et chez ceux qui s'occupent de la visibilité sur Internet, c'est-à-dire du référencement et des SEO, qui a vraiment une belle équipe de gens qui font de très bons outils. J'en ai plein en tête, là, je ne voudrais pas en oublier, mais vraiment, il y a évidemment les tiens, mais d'autres que j'utilise toujours, hein, ça peut être SEO Observer, Your Text Guru, le Scribouillard, qui est un autre générateur. Enfin, tu vois, il y a. Ah oui. J'en ai plein, enfin, ici sur l'autre poste. Mais je ne sais pas si les gens savent qu'en France, voilà, il y a vraiment une très, très bonne équipe qui s'occupe de la visibilité des contenus sur Internet. C'est leur métier, c'est de les mettre en haut dans Google ou de les rendre visibles, de faire en sorte que vous ayez plus de clients sur vos boutiques e-commerce, plus de visiteurs sur vos blogs, etc. Et que ce sont des gens créatifs, très impliqués, passionnés. Et moi, j'observe ça, entre guillemets, parce que je suis pas mal de monde sur Twitter et que... Et qu'à mon humble niveau, voilà, je bricole un petit peu, mais évidemment, ce n'est pas uniquement mon métier, c'est beaucoup voilà, sur plus petits projets. Mais voilà, en France, on a la chance d'avoir des belles équipes de gens compétents. Et si vous cherchez à gagner en visibilité sur Internet, que ça soit pour un commerce en ligne, pour un blog, pour des formations que vous délivreriez, pour vos services, etc. Sachez qu'il y a des gens dont c'est le métier, c'est de faire gonfler votre chiffre d'affaires. Donc, Stéphane fait partie de ces gens-là. Et donc, moi, je mettrai des liens, bien sûr, mais vous pouvez retrouver donc ces gens assez aisément et sur Twitter. Alors, faut pas se tromper. Mais si vous me demandez, je saurai vous indiquer qui aller voir pour telle ou telle chose. Alors, ça fait partie aussi des projets de la chaîne. L'année dernière, on avait reçu Romain Pirotte, ici, donc c'était au printemps. On avait eu aussi Daniel Dubois, qui lui est un spécialiste Joomla. Alors, Romain Pirotte, lui, c'est du SEO, c'est un jeune exceptionnel dans le métier. Et puis, bah, j'espère que 2023, après toi, Stéphane, eh ben, on aura quelques autres noms du SEO, de la visibilité, du marketing, du web marketing sur la chaîne, ici, en live. Et voilà, donc je regarde à nouveau ce qu'on nous dit sur le chat, parce qu'il y a des gens qui écrivent quand même. Hein. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'en France, on a vraiment une très, très belle communauté. C'est vrai que le SEO, la caractéristique principale, c'est la curiosité. Donc, oui. C'est vrai qu'on est dans notre petit pays en France, et donc bah, pour voir un petit peu, c'est la curiosité. Pour faire pour te positionner en SEO, la base des choses, c'est regarder ce que fait le concurrent pour essayer de copier et faire mieux. Et donc forcément, pour se former, en fait, on va toujours regarder un petit peu ce que font les autres pays. Et c'est vrai que, bon, c'est peut-être un peu chauvin, mais la communauté française a un très, très gros niveau, à la fois dans les techniques pour placer les sites, à la fois après, ouais, c'est vrai qu'on a... pour aller plus loin, on a besoin de développer des outils. Et c'est vrai qu'il y a une belle communauté avec pas mal de personnes qui sortent des outils comme ça pour aller plus vite. Pas mal d'outils qui sont même gratuits. Il y en a certains qui sont payants parce que c'est sûr qu'ils ont un coût. Bah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui, c'est très riche. Et ces derniers mois, je trouve qu'il y a aussi vraiment une explosion dans ce sens-là avec... Voilà, des idées très créatives, voilà, des outils qui simplifient la vie. Enfin, voilà, moi, dès que je peux, je teste. Après, Et puis, c'est des outils qui sont appréciés pour nous, par exemple. Tu vois, la France représente 20% des personnes.
Sinon, tout le reste, enfin, pour nos outils comme IsIndexed et Ah IndexMino, qui oui? sont des eaux spécialisées, D'accord. mais Ah on a oui. beaucoup plus voilà, tu vois, alors que dans d'autres pays, voilà, c'est Ben, pas ça ne m'étonne uniquement en pas. France. Tu aurais l'impression de dire, voilà, c'est des outils, les connus en France, donc il n'y a que en France qui fonctionnent, mais non, ils fonctionnent aussi À à l'étranger. l'étranger, quoi. Eh bien, bah, il me semble qu'il y a des solutions assez uniques en leur genre, hein. Vous êtes, toi, par exemple, vous êtes assez précurseur, hein, dans la génération de textes comme ça, adaptés à l'édition de sites pour faire en sorte de remplir le mieux possible, je dirais, et à moindre coût, mais aussi le plus vite possible du site pour. Peut-être que tu pourrais nous dire, parce que ici, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément au fait du SEO et sur cette chaîne. Et donc, peut-être que tu pourrais nous dire, voilà, à quoi sert Textbulker, par exemple? À quoi ça pourrait me servir? Oui, c'est gentil. Après, voilà, le but, c'est pas non plus faire trop parler de l'outil. En fait, des outils de rédaction, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est loin d'être le dernier. C'est loin d'être le premier aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis. C'est vrai que nous, c'est vrai qu'on fait du SEO, donc on a besoin du contenu sur Google. Et en fait, l'outil TextBulker va te rédiger un texte par l'intelligence artificielle, mais il va te récupérer également les résultats qui sont positionnés sur Google par rapport au sujet que tu veux. Par rapport à ça, nous, on va récupérer tous les mots-clés sémantiques des sites qui sont déjà positionnés sur Google et sur lesquels le super algorithme de Google a déjà décidé en fait que ces sites, le contenu était déjà pertinent, etc. Donc, on va s'inspirer finalement des meilleurs. On va récupérer tous ces mots-clés. En fait, on va rédiger un article en fonction de ces mots-clés, grâce à la sémantique des mots-clés, pour donner, fournir en fait un Google, pour récupérer un peu le meilleur des sites, des différents sites positionnés, pour avoir un article global qui soit bien structuré, avec un plan, avec éventuellement ce que Google aime comme des mots-clés en gras, des listes à puces, intégrer les bons mots-clés qu'il faut. Voilà, globalement, c'est de la rédaction de texte par l'intelligence artificielle, mais aidée grâce à la puissance de Google, il est aussi positionné pour faire un texte qui a l'objectif de se positionner et qui a l'objectif d'être surtout optimisé pour les moteurs de recherche. Voilà. Oui, les sorties de ton outil doivent ressembler à ce que Google pense comme étant un bon contenu Voilà. Après, méritant d'être c'est loin d'être la perfection bien parce sûr. que c'est vrai que les sites positionnés, là aujourd'hui, on a une limite à peu près, on a augmenté un petit peu, mais c'est à peu près 700 mots l'article. Quand tu regardes les sites qui sont positionnés dans le top 10, ça peut Oui. être peut-être, il faut peut-être 1000 ou 1500 articles. Donc du coup, ce sera à toi de générer peut-être 2-3 articles sur 3 axes différents et les fusionner. Ça, c'est quelque Tout chose à qu'on fait. prépare aussi pour le faire d'un seul coup, Ah oui. mais c'est pas encore en prod. Et puis voilà, donc après, il faut quand même relire. Ce qu'il faut, c'est que voilà, l'information, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une intelligence artificielle. Il peut y avoir des données qui seront fausses, c'est assez réputé. Des fois, souvent C'est sur vrai, les c'est vrai. dates, ils se trompent très souvent les dates ou les adresses. Donc voilà, il faut avoir un minimum d'éthique, c'est-à-dire que ça fait gagner beaucoup de temps aux rédacteurs. Mais voilà, si vous voyez qu'il y a si on voit qu'il y a des informations ou si on a besoin de compléter pour aller plus loin, il faut pas hésiter. Et je recommande pas forcément de publier comme ça les yeux fermés. Voilà, Bien il faut quand sûr. même. Bien sûr, et c'est vrai que ça, j'en avais parlé sur la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines sur ton outil. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi, il y a 3 semaines peut-être. Voilà, qui a été fort apprécié, hein, d'ailleurs. J'ai eu plein de questions, plein de retours. Et donc, ce qu'il faut J'ai préciser. eu des personnes qui m'ont dit qu'ils sont venus de ta part. Ah Et oui? ouais, il y a une personne, elle m'a dit qu'elle avait commandé aussi ta vidéo. Je ne suis pas allé voir, mais il m'a dit qu'il manquait une petite offre avec des crédits gratuits quand même. Donc c'est vrai qu'en fait, je n'ai pas explicité, mais voilà, en me contactant, je donnais des Ah, crédits gratuits. mais Mais oui, c'est grâce à vrai. ça, ce que j'ai Ah. fait, c'est que maintenant, à l'inscription, en fait, tu as 5 crédits d'office qui sont gratuits. Ah, Et bravo. après, les gens, ils peuvent me contacter sur le compte TextBulker. Sur Twitter, et Bien je sûr. rajoute encore 10 crédits supplémentaires, ce qui fait 15 au total. Mais c'est vrai que je comprends
Ben oui, c'est vrai qu'on aime bien tester. Moi-même, je t'avais demandé quelques crédits à la base pour tester. Ouais, bah, c'est vraiment des choses. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on a, bon, on peut pas penser à tout, hein, et l'essentiel, c'est que tu aies réagi dans ce sens-là. Je pense que effectivement, Bon, après, c'est apprécié. c'était prévu. C'est juste que voilà, c'est aussi du développement. Il faut le temps. Et c'est Eh vrai qu'on oui. a priorisé d'abord l'outil, les algos. Voilà. Donc, Bien sûr. aujourd'hui, on a sorti le troisième. Eh bien Voilà. oui, j'allais te demander, c'est le Google News, c'est ça? C'est ça. Donc, il y a le Magic Sémantique qui est basé sur la thématique et qui donne des textes assez génériques ou spécialisés avec une structure. Ta Magic Locale qui est plus Alors, spécialisé sur le local, où tu mets ton terrible. mot-clé service suivi de la ville, et ça te fait un texte local et ça te récupère la liste des entreprises présentes sur Google Maps, Google My Business, avec le vrai nom d'entreprise, la vraie adresse, le vrai numéro de téléphone. Ouais, il est terrible celui-là. Voilà. Donc ça, c'est bien parce que ça rajoute de la qualité dans le texte en donnant, enfin, et en montrant à Google que c'est des vraies infos et c'est des vraies entreprises. Ça se positionne très, très bien. Google adore ça. Et le nouveau, c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes où les gens ont besoin de faire des sites, enfin, ont besoin de faire des actualités, mais bah, comme son nom l'indique, actualité, c'est pour faire des choses d'actualité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle d'OpenAI s'arrête en 2020. Tu vois, Eh oui. 2020, voilà, 2020, grosso modo, c'est 2020. Ce qui veut dire que si tu veux faire des articles d'actualité, bah, ça ne va pas On du est tout marcher. embêté, voilà, on peut pas Et donc avoir là, ce qu'on les... a fait, c'est qu'on a sorti un algo qui est spécialisé donc pour Google, enfin pas pour Google Actualité, mais pour des sites d'actualité. Et on se base, en fait, par exemple, si tu veux un article sur, je sais pas moi, sur la grève, en fait, on va taper la requête. Bah, tu tapes juste grève, tu vois, grève sur l'outil. Tu choisis l'algo Magic News et on va taper la requête grève sur Google Actualité. On va récupérer entre 3 et 4 sites qui sont les plus intéressants, qui parlent des greffes. On va extraire tous les mots-clés et les infos intéressantes de ces 3-4 articles. Et on va générer un article qui te fait un condensé de cette info-là importante sur les greffes. Et au final, tu as un article d'actualité où tu as la possibilité même d'ajouter, alors c'est la personne qui fait le texte sur TextMaker qui décide ou pas, d'afficher ou pas les sources sur la source des Ah, articles sur lesquels on s'est basé c'est très bien ça. pour récupérer les infos. Et l'avantage, c'est que tu as un article d'actualité avec des vraies informations. Alors, il peut y avoir toujours des petites erreurs, hein, c'est une IA, mais tu as des vraies infos d'actualité. Et du coup, bah, tu peux faire de l'actualité, tu peux faire également du Google Discover. Évidemment, hein. Et voilà, en fait, on fait le travail parce que moi j'ai des sites d'actualité et c'est vrai que bah, on sait que tu t'inspires, même tous les sites d'actualité s'inspirent toujours sur ce que fait l'autre, etc., pour Ah oui, refaire un peu un article, ouais. récupérer un peu sa sauce, etc. Donc voilà, l'idée c'est de faire gagner du temps pour récupérer Ça va l'information être énorme. essentielle qui est bah, généralement c'est toujours AFP qui donne les infos, etc. Tout le monde va récupérer sur AFP, tout le monde, voilà, Bien mais en gros, sûr, bien c'est sûr. récupérer ça. Et après, ben forcément, toujours, avant de publier, ben rajouter sa petite touche, éventuellement corriger, etc. Tu décides d'ajouter les sources ou pas. Moi, je recommande de citer les sources sur lesquelles l'article a récupéré les différentes informations. Moi, je Il trouve n'y a pas ça de bien. duplicate. Tous les articles, on les passe sur CopyScape, donc il n'y a pas de duplicate. Par D'accord. contre, contrairement aux autres algos, il peut y avoir un peu plus de similarité, ce qui est normal parce que Forcément. bah, tu peux pas Ben, inventer non plus. ben oui, il y a un vocabulaire qui va être souvent commun dans ces cas-là. Si tu parles des grèves, tu vas avoir syndicat, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. C'est ça, où tu vas éventuellement y avoir peut-être une petite citation ou peut-être certains chiffres Eh sur le oui. nombre de trains qui sont, bah, tu vois, Qui sont c'est des, c'est bloqués des, ou... qui sont bloqués parce que bah, voilà, le gouvernement a fait une annonce et cette annonce, elle est récupérée sur tous les sites d'actu. Donc forcément, il y a certaines petites parties qui peuvent être un peu dupliquées, mais sinon, globalement, il n'y a pas de duplicate, il n'y a aucun duplicate. D'accord. Donc Eh voilà, bien. donc aujourd'hui il y a trois algos, mais c'est vrai que c'est toujours basé et axé sur le SEO ou sur l'édition de site internet. Donc l'édition de site internet, c'est ceux qui créent des sites et qui créent du contenu à destination des utilisateurs. Voilà. Voilà, pour faire du Toujours dans le trafic but et... de, voilà, toujours dans le but de gagner du temps dans la création et essayer d'ajouter une plus-value.
Bon, ben, je testerai ça pas plus tard que demain, parce que là, il sera trop tard tout à l'heure, mais quoique. En tout cas, ben, c'est super. Alors, Pas de souci. De toute façon, on l'a mis en bêta pour le moment. Je pense qu'il y D'accord. a 1 à 2 jours de petites corrections avec des petites choses qui vont pas Super. sur des voilà toujours il y a des petites choses. Mais à Forcément. partir de là, en tout cas, il est déjà disponible pour tout le monde s'il y en Bon. a qui veulent le tester. Bon, super. Mais voilà, il va y avoir 2, 3 petits fixes que j'ai vus. Mais je me suis dit bon allez, on le lance en bêta quand même. Au moins comme ça Bon. permettra de le présenter dans ta chaîne. De l'annoncer ce soir, bah super. Eh Voilà, bien, c'est une excuse. je mettrai les liens, bien sûr, en description de la vidéo. Voilà, ça sera fait tout à l'heure à l'issue du live. Alors, figure-toi qu'on va jeter un coup d'œil sur les commentaires parce qu'il y a peut-être des petites questions. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, il y a encore du monde, de nouveaux arrivants. Il y a Antosé, salutations. Il y a PDG Design, salutations aussi. Jean-François Dubois, bonsoir Jean-François. Il y a Yvon Calixte Makelé. Il y a Christophe Nicolas. François Lamotte, eh bien lui aussi, on le connaît de la sphère SEO. Oui. Hein, c'est un ami de Belgique, donc qui nous salue. Bien à toi. On a Cyril Chalamet, salutations Cyril. On a Hervé Cadoré, salutations Hervé. Donc j'espère que tout se passe bien pour toi, Dovan. Ton job de modération, j'espère qu'elle est tranquille. Ah, je vois qu'il y a Chaos Steel aussi, salutations Chaos Steel. Là aussi, un SEO de Twitter. Il y a Driss, Kev le Pêcheur, salutations, bienvenue. Il y a Tatiana, Sandrini, pas de problème pour le retard. Et est-ce qu'il y a des questions, dites-moi. Alors, si j'en ai raté des questions, vous me les remettez à la fin et je ne les raterai pas cette fois-ci. Je scanne un petit peu. Eh bien, c'était. Alors, je. J'essaye de remonter. Alors, je vois que ouais, y a des questions autour de l'IA. Hein. Voilà, c'est une évolution exponentielle, nous dit Driss. Voilà, mais il nous parle aussi de l'autonomie humaine. Eh bien, il faut que les deux cohabitent. Hein. Voilà, moi, personnellement, c'est vrai que j'utilise ces outils. Je ne pense pas. En portant préjudice à mes qualités humaines, c'est plutôt quelque chose qui vient en plus. Hein. Heureusement qu'on a un marteau pour enfoncer des pointes. On pourrait certes prendre un caillou, mais marteau, c'est tellement plus pratique. Et donc l'IA, si vous voulez, c'est vrai que quand on génère du contenu, on peut le faire soi-même, mais moi, je sais le temps que je mets, donc je sais le temps que ça coûte. Et c'est vrai que pour des tas de tâches, ben je suis content d'aller chez Stéphane, de mettre mon petit titre, ma requête, hein, mon mot-clé, et d'appuyer sur un bouton et d'attendre quelques secondes. Hein. Après, Ouais, je vais bah en ce moment, travailler un peu, voilà, c'est ça. mais quand même, hein, au lieu d'y passer 2 heures, on va dire qu'avec un bon quart d'heure, 20 minutes. Je peux le publier sur un WordPress. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Une génération, ça, c'est à peu près ouais, 2, 3 minutes. Voilà, après, Oui. ça dépend un petit peu de la file d'attente. Mais là, depuis cette semaine, depuis lundi, en fait, il y a beaucoup de retard parce que c'est OpenAI qui a des soucis en fait. Donc du coup, il y a pas Eh mal de oui, ralentissements. Il y a d'accord. beaucoup, beaucoup de demandes. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup plus d'outils qui sortent. Bah, de toute façon, on l'a vu avec ChatGPT qui était cassé une fois sur deux en Bien fonction sûr. quand tu veux Bien l'utiliser. sûr. Ah oui, d'ailleurs, j'avais prévu une question à ce sujet-là Ouais. que je te poserai tout à l'heure. Alors, je salue Ninou, notre perfect, qui s'en va. Donc, bien à toi. Elle regardera le replay, donc. Pas de problème. Je vois Kanto nous parle de David Guetta qui a joué un son en live avec un texte généré par l'IA. Ben voilà. Ah bah c'est ce qu'on Et disait tout à avec. l'heure. Et Ouais. oui, et avec la voix d'Eminem synthétisée. Donc voilà, ben, les artistes s'emparent de l'IA et en font des choses créatives. Donc voilà, si ça peut. Alors je vois que Tête au Carré nous parle d'upscale.
C'est très facile à utiliser, mais le résultat est mauvais par rapport à Shiner. Alors oui, Shiner, tu connais peut-être Shiner, c'est un outil qui permet de d'upscaler ouais, les images, autres, c'est ça? On parle de ça? Autres, ouais, tout à fait. Mais tu peux faire aussi des tas de jobs graphiques. Et tu sais, ce sont des nœuds comme ça que tu interconnectes les uns derrière les autres pour faire des automatismes, en fait. Écrit comment? Shiner, alors, Shiner. Et donc, c'est de l'open source. Hein. D'accord. Et ce truc, c'est une tuerie. Je vais en parler dans les prochaines semaines. Je connaissais pas. Ah si, je suis tombé dessus. Et tu peux lui charger des modèles dessus spécial pour agrandir la photo. Et c'est vrai que des fois, ça rivalise avec Gigapixel que j'utilise par ailleurs, qui est payant, lui. Ouais. Et donc, c'est un super outil. Et j'avais parlé, avant qu'il ne sorte, ou que je ne le connaisse, j'ai parlé d'Upscale, qui est un outil gratuit open source aussi, qui fait ça, mais qui a deux, trois modèles, si tu veux, en proposition, et qui a un cran en dessous quand même en qualité, il faut bien le dire. Mais, d'accord. Et celui de Stable Diffusion, là, le plus connu, tu as testé? Écoute, alors là, je ne sais plus... Parce que je pense qu'en fait, tous ces outils-là vont se fournir sur ce genre de choses, en fait, hein, ce que j'ai compris. Oui, hein, c'est des ESRGAN, hein, c'est ça, ou des... ils ont un nom technique, hein, tous ces modèles d'agrandissement. Et effectivement, tu en as qui sont spécialisés pour agrandir, par exemple, du graphique, de l'anime, hein, c'est-à-dire de la bande dessinée, d'autres qui sont pour la photo, d'autres pour de la vieille photo, par exemple. Certains pour des images trop compressées, donc ils vont te les restaurer en quelque sorte. Effectivement, il y a toute une gamme de choses... Ouais, bah j'avais testé l'agrandissement avec Stable Diffusion et c'était plutôt pas mal. Puis même la restauration, tu vois, tu peux mettre des photos, tu as des modèles, où tu mets la photo, même des vieilles photos, pixelisées avec des images et tout ça, et il te ressort le truc très très propre, tu vois. Tout à fait. Ou même une vieille vidéo, tu vois, à l'ancienne, sur les tubes un peu cathodiques, etc. Ouais. Bah, tu fais une capture où tu vois à peine les dents, tu vois à peine les yeux, et l'IA va te retravailler ça, il va te faire la photo ultra propre. Il y a plein de modèles là, qui sortent sur l'open source et qui permettent de faire ça. Alors, chez les payants, il y a Topaz Lab qui fait ça depuis un certain temps déjà. Alors, ce n'est pas donné leurs outils, mais Gigapixel, ça doit être une centaine d'euros. Et ils ont un équivalent pour la vidéo, c'est une tuerie, ça peut te transformer de l'HD, hein, ouais, 720p, en 8K. En 8K, ouais. D'accord. Et franchement, c'est bluffant. Il y a les démos, hein, vous tapez Topaz Lab. Ah oui, je suis deux sur le site. Ouais. Et donc, tu verras, tu as l'outil dédié à la vidéo qui doit être dans les 200 €, donc c'est pas donné, mais... Ça fait plusieurs fois que je leur écris pour avoir une licence gratuite et en parler sur la chaîne, mais je n'ai jamais eu de réponse encore. Donc, jusqu'au jour où je vais l'acheter, quoi. Mais je chercherai, oui, parmi les modèles donc open source qui peuvent exister, parce que ça intéressera aussi pas mal de monde. Ah ouais, bah j'essaie de le retrouver, celui que j'ai utilisé. Mais là, c'est vrai que sur leur site, sur Topaz, bah justement, tu as le slider où tu as l'image pixelisée. Et en fait, tu vas vers la gauche et tu vois tout net. C'est ça. Et le modèle open source Stable Diffusion, il y a un modèle qui fait exactement ça. Quoi. Ah d'accord. Bon. Je te l'enverrai. Volontiers. Volontiers. Alors. Ah, mais c'est incroyable. Ah bah tu vois, il y a Nicosem qui te remercie, Stéphane, pour ton outil Alloscan, et qui est un outil gratuit. Hein. C'est ça. Ben ouais, il est chouette, cet outil-là. Qui est gratuit. On travaille sur la nouvelle version. Alors déjà, merci ceux qui l'utilisent. Ils sont très, très patients. C'est vrai que moi, je n'utilise plus la version alpha parce que j'ai accès à la version suivante directement qui est très, 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 qui est très rapide. Mais c'est... Voilà. Et c'est vrai que de temps en temps, on me dit « Ah, il y a un bug là-dessus. » Et quand je retourne sur celle que tout le monde utilise, franchement, ils tu sont vois le Ah oui, c'est que là, l'ancienne version, elle est faite en... Enfin, elle est faite en R, ça c'est super long, tu tapes une requête, enfin c'est super long. Ça va, tu vois, mais la data est là, elle est présente, c'est l'essentiel. Mais c'est vrai que niveau interface et niveau réactivité, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est vraiment une alpha. D'accord. Et à la nouvelle, ouais, j'espère d'ici un mois, deux mois, la sortir.
Bon. Mais elle est fabuleuse. Ouais. Bon, super. Déjà, c'est bien sympa. Hein. Moi, le Halo-Scan, c'est vrai que même son design me plaît bien. On est un peu plongé dans la matrice avec cette. Ouais, truc. C'est sûr. Bah, c'est less is more. C'est vrai que c'est la data est au centre de tout, mais niveau design, c'est très très minimaliste, très simple. Ouais. Il n'y a aucun dégradé. Ça fait pas mal aux yeux. C'est. Enfin, c'est codé par des codeurs, quoi. Avec des voilà. Noirs et. Efficace. Noirs, voilà. Appelé efficace. Alors, less is more. Ouais, carrément. Alors, je vois que Hervé nous quitte, lui aussi. Trop de boulot, donc il verra la suite en différé, qui sera bien sûr disponible. Alors, précision, quand le lag s'arrête, généralement, il faut un certain temps pour que Google le mette dans la bonne définition. Et parfois, voilà, il peut se passer une ou deux heures. Bon, en tout cas, généralement, le lendemain, tout est présent et dans la bonne qualité. Petite précision, donc, en passant. Alors, je vois que là, oh là là. Mon fil de commentaires vient de se mettre à jour. Ah. Ouais. Alors, il y a Chaos Steel qui nous dit une tuerie, Magic News, c'est incroyable. Ah ben bah oui. Ouais. Il vient vers moi, il m'a dit c'est incroyable. Ah ouais. Bon. Je fais voilà, c'est pas encore parfait, mais par rapport à tout ce que j'ai pu voir, et lui aussi, il a testé un peu tout ce qui se faisait. C'est plutôt pas mal, voilà, pour un début. Voilà, c'est loin d'être parfait, mais c'est un bon début. Alors, c'est vrai que Chaos Steel, là, je le suis depuis quelques temps sur Twitter, il m'a contacté aujourd'hui, c'était très sympa. On fera peut-être des trucs prochainement sur la chaîne, là, on va en discuter. Voilà, c'est quelqu'un qui est très actif aussi, visiblement, depuis longtemps. J'ai regardé sa chaîne, il y a plein de trucs super intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur la chaîne de Chaos Steel. Comme c'est écrit dans le chat, hein, voilà, et vous trouverez une chaîne dédiée au comment être mieux, plus visible, utiliser les outils pour gagner des sous, il faut bien le dire, avec ouais. Internet. Et alors, je vois Steph Patch, salutations. Alors, qui s'est servi de l'IA pour la musique lui-même. Voilà. D'accord. Alors, il y a Tatiana qui s'en sert pour la description de fiches produits. Kev le pêcheur, lui, il fait des tests sur l'IA depuis 7-8 mois sur ses sites de vente de liens. Ah ah, je remarque une chute des impressions au bout de 5 mois sur de l'IA retapée. Est-ce que Stéphane voit la même chose? Est-ce que toi, tu vois une érosion de l'efficacité des contenus générés par l'IA au bout de quelques mois? Pas forcément. C'est vrai que quand on publie, il y a ce qui s'appelle une prime de fraîcheur où les contenus montent, se positionnent assez vite, à ce qui s'appelle la prime de fraîcheur. Et après, ça glisse un petit peu. Et après, avant que ça remonte, en fait, il faut que Google analyse le page rank, qui calcule tout ça, qui remonte. Tu as aussi l'expérience utilisateur avec RankBrain. Si l'article est visité, il a un petit boost et au fur et à mesure du temps, vu qu'il est moins visité, il va commencer à redescendre un petit peu dans les classements. Mais j'ai pas remarqué de ça descend. Mais si tu publies un texte fait par un humain, c'est les mêmes symptômes en fait. Voilà. C'est vrai. Après, j'ai pas remarqué. Sachant que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup sur des requêtes ultra concurrentielles, c'est-à-dire où il y a pas mal de concurrence, oui. Où il y a quand même du volume de recherche sur les mots-clés. Par contre, sur des requêtes avec des volumes plus petits, ça se positionne très bien, même sans backlink et avec un site avec très peu d'autorité, et ça reste. Voilà. D'accord. Mais le fait que ça redescende, après, c'est vrai que là, aujourd'hui, s'il ne met que notre contenu, il est peut-être un peu court, il n'est peut-être pas suffisant par rapport à la concurrence, donc la concurrence peut monter. Mais je ne pense pas que ce soit une question d'IA. Voilà. Après, je peux me tromper. Mais pour avoir ce symptôme-là, je l'ai déjà eu depuis. Enfin, c'est longtemps. Ce n'est pas forcément l'IA. Après, lui, s'il peut peut-être préciser s'il voit vraiment la différence entre du contenu humain. Comme quoi ça ne s'est jamais descendu et de l'IA qui descend. Mais moi, je ne le vois pas forcément. Voilà. Oui, Kev, tu peux nous préciser, hein, si tu veux, si tu as pu remarquer les mêmes choses sur du texte humain.
Moi, j'ai un peu des deux sur des sites édités. Et c'est vrai que, franchement, je ne vois pas trop de différence entre du rédigé et de l'IA actuellement. Et j'ai quelques mois, là, on a quelques mois, voire même, plus d'une année sur le coup. Donc, non, il y a des choses qui tiennent, il y a des choses qui baissent, mais j'ai toujours remarqué ce genre de phénomène. Donc, je n'ai pas assez de volume après pour en tirer des conséquences très générales. Donc, je te rejoindrai assez... là-dessus, quoi. Après, sur les textes locaux, là, par contre, je suis radical. Ça se positionne très bien. Et ça se positionne très, très bien, quoi. Quand tu mets de la vraie data, ça, il n'y a pas de souci. Après, sur la data un peu plus généraliste, peut-être que ça baisse, mais ce n'est pas forcément l'intelligence artificielle. Voilà. Là, justement, on va faire un event au Black and White avec Julien Jiménez. On va présenter un petit peu... on n'a pas encore trouvé le défi, mais l'idée c'est de présenter des différentes cas pratiques, différentes solutions, pour voir en fait le résultat et voir dans le temps. Alors, ça fait un peu court parce que c'est en mai, mais on montrera des exemples, des cas pratiques, des sites montés de A à Z avec soit de l'automatique, de l'automatisation, soit de la semi-automatisation, et en intégrant un petit peu de l'IA avec peut-être différents exemples d'IA, avec des sites où on a pris des images, où on a fait justement ce qu'on disait tout à l'heure, un upscale, parce que Google Images, il aime bien positionner des images qui ont la plus grosse résolution. Donc finalement, si tu vas regarder l'image qui se place première sur ton mot-clé, tu prends cette image et que tu fais un upscale et que tu multiplies par 4 sa définition, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Google va adorer parce que tu as une résolution qui est supérieure, donc tu peux pas la même. Gagner des positions. Il n'y a pas forcément les résultats web, il y a également les résultats des images. Et aujourd'hui, il y a beaucoup. Enfin, toi, tu utilises tous les jours, tu tapes tes images, tu regardes. Et c'est vrai que Google a tendance à mettre en avant les sites qui ont des images de plus grosse résolution parce qu'ils savent que c'est ce que les gens cherchent. Et ça, là, je fais les tests avec Replicate.com. Je ne sais pas si tu connais. Eh bien oui, bien sûr. Voilà. C'est toi qui m'as partagé, je ne sais plus. je t'avais envoyé le lien. Alors peut-être que tu connaissais déjà, mais c'est vrai que moi, je vais tester là-bas pas mal de choses. Il y a Hugging Face aussi, avec lequel tu sais, soit télécharger les modèles, soit tester les API, ou lancer des collabs, par exemple, des Google collabs. Je vais aller dessus. Donc, pour ceux qui veulent tester, c'est replicate.com/explore. Et on parlait tout à l'heure, dans les collections et qui mettent en avant, tu vois, tu as un modèle qui s'appelle Super Résolution, que n'importe qui peut utiliser, tu vois. J'en ai parlé sur la chaîne. Il y a tellement de modèles, là, d'amélioration des yeux, de image restauration, on en parlait tout à l'heure, où tu as une image de photo... où la photo est carrément déchirée avec des pliures et ça fait une restauration. Tout à fait. Y a pas mal de choses, même pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, entre guillemets, à installer Stable Diffusion, et puis il faut aussi des cartes graphiques qui envoient de la patate, ils peuvent tester. Je crois même que c'est gratuit. Il y a pas mal de requêtes gratuites. Oui. Et après, il y a un prix qui est très léger. Pricing, mais je crois que je n'ai jamais eu besoin de payer en fait pour faire des premiers tests. C'est parfait. Et au moins, vous pouvez déjà vous habituer aux différents modèles qui existent, et vous verrez qu'en fait, tous les modèles qui existent ici en open source, il y a certains outils qui après les proposent en payant, ils sont vous pouvez les utiliser déjà de façon gratuite. Après, les solutions payantes généralement rajoutent un petit plus et rajoutent leur dataset et rajoutent leurs données pour aller plus loin. Voilà. Tu parlais tout à l'heure d'animation. Il y a des gens qui utilisent Stable Diffusion, qui utilisent comment ils appellent ça, Weifu Diffusion, spécialisé dans les images manga, tu vois, avec manga. Et en plus de ça, ils ont absorbé des tas d'images de manga pour récupérer un peu les personnages, les différents traits de dessin, etc. Avec leur dataset et les datas qu'ils ont récupérées, te sortir en un seul coup en fait une image d'une grande qualité, spécialisée dans chaque domaine. Donc, pour ceux qui veulent tester, vous pouvez déjà Justement, tu vois Stéphane, là, je le mets à l'écran, replicate.com, c'est ici. Et comme tu dis, le prix est très bas en tout cas. On a des crédits gratuits quand on arrive dessus.
C'est vrai que maintenant, moi, je paye parce que des fois, je génère de la vidéo, etc. Et finalement, ça finit par être des calculs très lourds. Hein. Mais c'est vraiment quelques euros, quoi. Je Ah crame peut-être 5-6 euros par mois. C'est à l'utilisation. Donc, hein, si vous l'utilisez très peu, vous aurez quasiment rien à payer, quelques centimes. Et si vous êtes un gros consommateur de calculs, eh bien, ça. Mais vous pouvez contrôler tout ça dans oui, puis votre déjà, vous pouvez compte. l'utiliser surtout en gratuit, quoi. Avant de passer en payant, enfin, je crois Exactement. qu'en fait, tu peux, dès que tu t'inscris, tu peux même pas payer, en fait. C'est-à-dire que d'abord, tu testes, et une fois qu'ils voient que tu as dépassé leur Ah, limite, c'est. et tu sais pas leur limite, en fait, ils te disent, bon, là, par contre, tu as un peu trop fait, donc là, il faut payer. Mais sinon, même si tu veux payer dès le début, tu peux pas, en fait. C'est possible, Ils t'offrent Stéphane, le c'est vrai. truc en gratuit. Je ne me rappelle plus effectivement du comment ça s'est passé, mais c'est ici, vous voyez, vous allez dans Explore et puis vous avez par exemple Super Résolution. Alors j'avais fait une vidéo dessus, hein, mais voilà, vous trouverez tous les modèles qui vous permettent de faire des agrandissements ici, et puis bien sûr de la retouche, de la restauration. Les exemples sont très parlants, et vous voyez par Mais là, je exemple. vois, regarde, tu as même un truc, je crois que c'est nouveau. Enfin, j'avais pas vu vidéo création et editing. Il y a même des trucs de création Ah vidéo. oui. Ah, si, j'avais vu. Alors Mais là, évidemment, tu il y vois, a. il te donne en exemple une vidéo d'Harry Potter où ils ont transformé le film en cartoon par intelligence Ah oui, artificielle. je l'ai vu, ça, je l'ai vu. Alors, c'est beau quand même. mais carrément. Là, je ne le retrouve pas. Tu l'as trouvé où? Ah, c'est Euh, dans sur Vidéo Cré. Explore, tu vas dans D'accord. Explore et après tu Vidéo. descends, tu as quelque chose qui s'appelle vidéo création and editing. Ça y est, je l'ai. Et là tu rentres et là tu as tous les modèles spécialisés dans la vidéo. Donc tu as la vidéo Stable Diffusion avec l'animation, tu vois, où tu vois une D'accord. vidéo, Ah, là, voilà. voilà, déformation, tu vois un chat qui bouge, et si tu scrolles un peu, tu verras J'y la suis. vidéo à Harry Potter, mais tu en as plein d'autres. J'y suis. Eh bien, ça, voilà. C'est vrai que c'est nickel. C'est nickel. Il y a de Un truc quoi où faire des il trucs super remplace sympas. un panda par un autre animal, je sais pas ce que c'est. Mais bon, c'est voilà, on est qu'au Mais début, oui. c'est l'open source Mais oui. voilà, c'est je suis Voilà. étonné Alors là, il y en par a des cette nouveaux. Hein. communauté. Je ne les avais pas vus, ceux-là. Merci Ah oui, de non, nous faire c'est visiter celui-ci. Je ne le connaissais pas. Et celui avec notre petit sorcier non plus. Harry ouais. Potter. Et là, si tu veux, dans Explore, tu vas dans Diffusion modèle. Et après, tu as vraiment les modèles spécialisés dans les images où Et ils font des oui. choses magnifiques avec Anne Fink, les trucs de manga, les trucs un peu plus spécialisés Disney pour générer des images un peu plus Voilà. Disney. Et puis voilà. Ah. Après, c'est vrai que le défaut que les gens ont sur les images, c'est que des fois, quand l'IA te génère l'image, les yeux sont un petit peu mal faits, les Oui, mains mais sont un petit peu mal justement, faites. Et justement, tu tu peux les corriger à l'aide de Avec certains l'IA. modèles. Bah Voilà, voilà. c'est Et ça. ça te remet les Et choses en c'est ça. Et ordre. ben, eux, ils ont les modèles aussi qui permettent Voilà. de corriger. Bon, l'IA, Tout à ok, tu as fait. fait un truc qui n'est pas parfait à l'utilisation. C'est clair. Mais derrière, après, tu repasses derrière. Et là, en fait, Ouais, c'est. tu as globalement tout ce qui est possible de faire avec l'IA, avec les images, tous les modèles. Voilà, tu as tout, quoi. Tu as le Voilà. outpainting aussi, où ils Bien t'imaginent sûr. le contour de ce que. De ce qu'il peut y avoir sur la photo que tu lui mets, en Ouais. gardant toujours les mêmes textures, les mêmes contrastes d'images et de couleurs. Ah ouais, c'est Donc, en bluffant. fait, tu peux faire limite une image à l'infini, enfin, pas à l'infini au niveau de la résolution, mais tu pars d'une image Full HD et tu fais du high pointing. Bon, après, ça, il faut que la carte graphique elle supporte, mais il va t'imaginer l'ambiance et ce qu'il peut y avoir à côté, et c'est plutôt très puissant, quoi. Carrément. C'est fou, c'est fou, C'est c'est fou parce fou. que effectivement là, dans les modèles là, vous verrez, vous trouverez, mais alors il y en a des dizaines spécialisées dans telle ou telle chose. Et franchement, on peut y passer des heures. Hein. Moi, j'y passe des soirées parfois. Et je vois Bah, que moi, toi, c'est pareil. Stéphane, tu pratiques beaucoup visiblement. Alors, je retourne quelques instants dans le chat, si je le retrouve, le chat, il est où? Il est là. Alors, C'est qu'est-ce que. Oui, je crois qu'il y a des nouveaux contenus. Je vois
Alors, il y a Tête au Carré qui nous dit faut avoir beaucoup de RAM pour utiliser Shiner, mais ça vaut le coup. Oui, c'est vrai que c'est un peu gourmand, ouais. Mais de toute façon, l'IA, c'est vrai que ça aime bien la puissance. Hein, donc, vaut mieux avoir un petit GPU dans sa bécane et avoir pas mal de RAM, effectivement. Julie, bonsoir Julie. Idée de feature, pouvoir sélectionner les résultats Google utilisés pour la génération du contenu. Alors ça, c'est pour toi, Stéphane. Pouvoir sélectionner les résultats Google utilisés, c'est-à-dire exclure certains résultats. Alors ça, ça me rappelle mon vieux tools qui me permet ça, parce que des fois, tu sais, si tu chopes, je sais pas, genre un forum avec des choses très répétitives, tu vois, ça te salit un peu le corpus et comment dire. Ouais. Alors pour le moment, c'est fait de façon automatique. Ah ouais. Pour le moment, tu ne peux pas sélectionner tes sources, mais le premier algo sur lequel on va faire ça, ça va être justement Magic News, où tu pourras sélectionner, mettre les URL éventuellement des articles sur lesquels tu veux rédiger, réécrire plusieurs sujets pour aller un peu plus loin et peut-être éviter certains éléments que tu ne veux pas forcément. Voilà. Alors aujourd'hui, tu peux le faire un petit peu, par exemple, en faisant ta recherche avec les filtres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus automatisé et tu ne peux pas le personnaliser. Mais on a l'objectif, on pense le faire. Ce n'est pas pour de suite. Là, pour le moment, là, on va travailler sur le plugin WordPress, qui est un plugin qui te permet d'installer sur les WordPress et qui permet de pusher les articles directement de TextBulker sur WordPress. Voilà, c'est l'objectif principal. On a ajouté d'ailleurs un éditeur qui permet de modifier les textes, pour pouvoir les modifier avant de les envoyer, puis de pouvoir changer les statuts à relire en cours de lecture ou publier. Et le but, c'est de pusher de TextBulker vers ton site en récupérant l'URL de publication. Une fois qu'on aura fait ça, après, on fera des fonctionnalités un peu plus avancées. Mais c'est vrai qu'on a voulu d'abord sortir un outil déjà qui répond aux besoins du plus grand public, un truc assez simple qui te permet de faire déjà des choses de qualité. Et après, pour les petites choses comme ça, on va le faire en option avancée. Mais c'est prévu, on nous l'a déjà demandé. Ouais. Bon, ben voilà, Julie, ça viendra, ça va venir. Ça va venir. Alors, je vois que Kev le Pêcheur adore AlloScan aussi. Alors, il y a Capman qui dit en quoi le contenu généré, j'imagine, par l'IA est un plus pour Discover. Peut-être un plus pour Discover. C'est pas que c'est forcément un plus, c'est qu'aujourd'hui, pour se positionner sur Discover, tu as besoin de faire énormément de contenu. Et les contenus sur Discover sont assez éphémères. Si tu veux, tu es sans cesse obligé de trouver des nouveaux sujets, de rédiger du contenu pour aller publier, dans le but d'apparaître sur Discover, faire des pics, etc. Et en fait, c'est pas que le contenu est fait pour Discover, c'est qu'en fait, il te permet de créer du contenu rapidement sur différents sujets, sur différents mots-clés. Par exemple, tu veux faire des trucs d'actualité sur Cristiano Ronaldo, sur des personnalités un petit peu people, parce que c'est ce qui marche aussi pas mal sur Discover et qui est recherché, ou sur de l'actualité. Ben, ça te permet en fait de gagner du temps pour publier, pour trouver facilement une base de contenu prêt à publier où tu fais ta petite modif et tu publies, tu vois, et tu perds pas de temps. Et c'est pour ça que je dis que l'algo actu, il est bien pour Discover, parce que ça te permet comme ça de publier. Et naturellement, Google adore les sites d'actu et la majorité des sites qui apparaissent sur Discover sont des sites d'actualité. Ah oui. Donc indirectement, cet algo pour Google Actualité va fonctionner aussi sur Discover. Quoi. Alors pour ceux qui se demanderaient c'est quoi Discover, non, ce n'est pas la nouvelle navette spatiale de la NASA. ce que l'on trouve... Quand vous lancez l'application Google, vous avez un flux d'actualité qui arrive sur votre téléphone. Je ne sais pas s'il va bien faire le focus, l'appareil, si c'est bon. Et puis donc, vous avez tout un contenu Discover. Voilà. C'est des articles qui s'enchaînent les uns les autres. Et c'est en fonction de mes centres d'intérêt habituels. Est-ce que c'est ça, Stéphane ? Oui, c'est ça, c'est bon. Ça. Tout à fait. Donc, c'est une recommandation automatique de contenu de la part de Google par rapport à ce qu'il sait de nos centres d'intérêt. Et ça, vous l'avez dans l'application Google sur votre téléphone.
Voilà, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui marche pas mal et que les SEO apprécient, même si moi je ne suis pas très bon là-dedans, enfin c'est pas quelque chose qui m'attire, mais l'avantage c'est que cette application est installée sur tous les téléphones qui ont Discover, et que en fonction de tes préférences, puis même si tu n'as pas trop de préférences, les sites qui arrivent à apparaître sur Discover, en une seule journée, ils peuvent faire des dizaines de milliers de visiteurs. Il y a pas mal de personnes, de temps en temps, même qui partagent des captures sur Twitter avec des centaines de visiteurs Ah ouais, simultanés, c'est parce dingue. ils sont apparus d'un coup sur Discover. Du coup, tout le monde a eu le truc sur son téléphone. Comme maintenant, aujourd'hui, on passe la majorité de notre journée à surveiller un peu les actus, les Discover, Absolument. etc. Que Discover est quand même quelque chose de bien fait, qui s'adapte C'est par vrai. rapport à nos préférences d'utilisation. Donc forcément, il essaie de nous donner un peu des articles qui nous plaisent. Tu peux être fan de football, tu auras des articles un peu plus spécialisés dans le football. Sauf que dans le football, enfin, il y a tellement de choses à dire entre un joueur, un entraîneur, un résultat, un machin, avant de publier tout ça à la main. C'est pour ça que voilà, si c'est semi-automatisé, ça peut faire gagner du temps. Voilà. Ah oui, non, mais c'est clair que là, ouais, il y a du potentiel, hein. Alors, il y a Tatiana qui nous dit merci, cool, pour ce super partage. Eh bien, on est bien heureux que ça plaise. Les billes en paquet aussi nous dit c'est super, j'adore Replicate. Merci, Stéphane. Tatiana demande est-ce que ces vidéos et photos sont libres de droit? Alors, normalement, oui, je dirais. Sur Midjourney, il faut lire, par exemple, les conditions d'utilisation, il est noté que qu'il garde une propriété d'utilisation, mais qu'on peut nous aussi les utiliser dans n'importe quel cadre. Donc voilà, on va dire que c'est une copropriété en quelque sorte. Après, pour les outils open source, je pense que là, on Ouais, fait ce que l'on non, veut, là. Hein, tu fais ce que tu veux. voilà. Ouais. Après, disons que il y a quand même un petit flou, je pense. Enfin, Oui. normalement, les images, tu peux les utiliser comme tu veux. Même Midjourney te disent que c'est en fait parce qu'ils utilisent ton image après pour réentraîner aussi leur IA. Je C'est pense que ça. c'est pour ça qu'ils sont obligés. Mais même, tu as des plateformes, tu as des plateformes de vente de photos libres de droit, Photolia, etc., Shutterstock, etc. Et tu as des plateformes maintenant qui Getty. commencent à se créer où tu vends des images spécialisées dans l'IA. Donc, bon, Tout à c'est que fait. tu dois avoir le droit, sinon ces plateformes ne Bah, se sortiraient pas. Getty les accepte, hein, Getty Ouais. Images les accepte. Et il me Ça semble reste une qu'Adobe aussi. Hein. création, ça reste une œuvre. Tu as quand même, tu as fait la création, tu as peut-être fait une petite modification, même si c'est une base d'IA, tu as les droits. Voilà. On en parlait tout à l'heure où tu vas pouvoir créer une vidéo et la vendre sur Spotify. Là, tu peux éventuellement, c'est quand même aussi plus simple que de faire de la musique, mais créer une image et éventuellement la vendre parce que tu as fait tes propres créations. Et puis, tu en as plus en plus, même qui crée des comptes, des trucs à abonnement où les mecs ils mettent des photos. Puis j'ai même vu certains même qui créent des OnlyFans, tu vois, où ils créent des images un petit peu de manga un peu sexy et ils Ah oui. vendaient des images générées par IA et ils créaient des OnlyFans. Enfin, ça va, Ah ouais. Ah c'est un peu n'importe quoi. mais c'est vrai qu'il y a des trucs, là je ne les ai pas en tête, hein, mais on voit des trucs pas croyables et des petites idées de business, ça part dans tous les sens. Hein. C'est vrai que c'est. Donc tu peux créer tes propres images, Ouais. ta propre spécialité et vendre ton. Alors je sais plus, tu as deux, trois plateformes, c'est pas forcément OnlyFans, mais tu en as d'autres plus spécialisées dans les graphistes et Bien vendre tes sûr. créations avec ton abonnement, Ah etc. ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des histoires juridiques où des fois, pour générer ces images par l'intelligence artificielle, ils ont utilisé des images qui ont des droits d'auteur. Mais là, après, avant de le prouver, avant Mais de. Tu vois, il y a tellement de milliards d'images qui sont analysées. Bon, dans l'eau, forcément, il peut y en avoir quelques-unes qui ont eu des livres de droit, enfin, qui ont eu des droits d'auteur. Mais finalement, à la sortie, ça n'a plus rien à voir avec. c'est ça. Et le droit américain, là où va y avoir un procès, en tout cas une action en justice, là, il y a donc Oui, j'ai vu des. ça. Donc, eux, ils ont des particularités dans le droit qui font qu'il y a des chances que ça n'aboutisse pas du tout. Hein. Donc, par contre, le fait que, qu'effectivement, dans le dataset de départ, on puisse y mettre des images copyrightées, ben, il y aura peut-être à l'avenir des choses qui seront faites pour que les ayants droit donnent leur utilisation ou non. Enfin, tout ça se décidera dans les mois et années qui viennent, parce que forcément, c'est des questions qui viendront.
qui reviendront régulièrement dans le discours. Alors, je vois que Flo, bonsoir. Oui, à voir si ça donne quelque chose ou pas. Les États-Unis, de toute façon, sont spécialisés dans les procès, dans les trucs forfelus. Quand vois que j'ai lu un truc, je crois qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte contre Dieu, tu vois. Ah, c'est possible. Du coup, il a porté plainte contre Dieu. Du coup, ils sont retrouvés au procès. Forcément, Dieu n'était pas présent. Et du coup, elle a gagné le procès et elle a gagné, je crois, 100 000 euros, tu vois, un truc comme ça. Alors, je ne sais pas qui lui a donné les sous, mais il y a eu un procès. Alors, attends, parce que ça, s'il y a des gens qui nous écoutent en live, ils doivent se dire, mais lui, il dit n'importe quoi, mais je n'ai pas... USA, voilà, c'est bon. Une femme porte plainte contre Dieu et gagne le procès. Tu vois. Procès contre Dieu, l'État d'Arizona... voilà. Le procès, en fait, c'est qu'il y a un éclair qui est tombé dans sa maison, qui a brûlé sa maison, et en fait, elle porte plainte contre Dieu parce que c'est Dieu qui est responsable de l'éclair, etc. La poursuite demandait 75 000 euros de dommages-intérêts, remportait le procès. Dieu ne s'est pas présenté à l'audience. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment vrai, hein, mais c'est. Écoute, rien ne m'étonne venant des US, hein, parce que quand on suit un peu leur actualité, il y a des choses assez phénoménales régulièrement. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà. Donc là, il y a un procès, on ne sait pas ce que ça va donner. Tu vois, parce que ça va donner, bon, forcément, ça risque d'être dur. Mais voilà, les États-Unis, de toute façon, sont spécialisés pour créer des procès dans tous les sens, parce que je crois que c'est pas la même chose qu'ici. C'est-à-dire que là-bas, tu crées tout et n'importe quoi, et en fait, tu payes que si tu... Enfin, tu payes que si tu gagnes. Enfin, il y a un truc, une particularité de la juridiction qui fait qu'il y a des procès dans tous les sens, parce qu'en fait, ça... En gros, ils ont rien à perdre, quoi, qu'ils ont quasiment à le créer. C'est presque une industrie. Un gros secteur d'activité. Alors, je vois qu'il y a encore de la question, hein, figure-toi. C'est très actif sur le chat. Il y a Flo donc, qui vient d'arriver, que je salue. Alors, il y a Anthony qui nous dit déjà, est-ce que ajouter par exemple 3 images générées par l'IA par texte permet d'améliorer les positions des pages d'un site? Ça, c'est un peu du SEO classique. Il vaut mieux qu'il y ait de l'image que pas du tout, je pense quand même. Oui, c'est mieux. Il y a nombreux, d'ailleurs, problèmes d'indexation sur des pages qui ont uniquement du texte. Des fois, Google n'aime pas trop. Et il suffit en fait que tu modifies cette page et que tu ajoutes un petit peu des photos ou une vidéo YouTube, enfin des médias de façon générale, pour qu'ils se disent, bon, le texte, je ne l'avais pas trop, je n'avais même pas envie de l'indexer. Donc, indexer, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire juste qu'elle apparaisse sur le moteur de recherche. Voilà. Dans les résultats. Si elle n'apparaît pas sur le moteur de recherche des résultats, bah, vous n'aurez pas de visiteurs. Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'un texte, par exemple, vraiment nul, Google ne va pas vouloir l'indexer parce qu'il trouve qu'il est nul. Par contre, il suffit que tu ajoutes quelques petites images ou quelques petits médias pour que, allez, là, c'est bon. Donc, ça aide. Après, est-ce que ça va vraiment t'aider à te positionner? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça aide pour l'indexation. Donc, si ça aide pour l'indexation, on peut se dire que ça peut éventuellement t'aider dans les positions. Voilà, je n'ai pas pu le prouver, mais il y en a beaucoup qui disent que, bah oui, forcément, plus tu donnes une page qui est complète et qui répond à l'intention d'utilisateur en lui donnant à la fois du texte, des images d'exemple et éventuellement une vidéo, ce qui fera passer du temps sur son site, bah mieux c'est pour l'utilisateur, donc plus Google va aimer. Donc à sa réponse, je dirais oui, si tu rajoutes des images, voilà. Après, est-ce que le fait que ce soit généré par intelligence artificielle, ça va être une meilleure image qu'une vraie photo? Ça, je pourrais pas répondre, voilà, mais je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Mais... Pour l'instant, si elles sont bonnes, je pense que ça peut passer crème. C'est ça. Et là, il y a Flo qui nous dit « Pourquoi choisir TextBulker si l'on compare avec une utilisation de ChatGPT et si on a les process avec les bons prompts ?» Je pose cette question car j'ai failli songer à expérimenter TextBulker au moment où est arrivé ChatGPT. Bah, c'est une excellente question. En fait, ChatGPT, le problème de ChatGPT, c'est que si 50 personnes, je donne un exemple, vont taper exactement la même requête, ChatGPT va te donner la même réponse. En fait, ça va être exactement le même format, ça va être le même texte. Bon, il va y avoir des petites différences, mais globalement, ça va être le même résultat parce qu'il est adapté pour te donner la meilleure réponse possible et il est formaté pour te donner la meilleure réponse possible. Ce qui fait que si tu récupères ce texte et que tu vas le mettre sur ton site, bah, s'il y a d'autres personnes qui ont tapé le même type de requête, bah, tu vas te retrouver avec du contenu dupliqué
similaire que tout le monde a. Et la différence entre TextBulker, c'est qu'on va utiliser les sites positionnés pour générer des textes, plus des plans qui changent, ce qui fait que si 50 personnes vont taper le même mot-clé, tu n'auras jamais le contenu identique, ce sera toujours un texte différent, avec un plan différent, avec des mots-clés sémantiques qui seront différents parce qu'on les récupère un petit peu de façon aléatoire. Voilà la grosse différence en fait entre ChatGPT qui va te donner un contenu qui va être toujours le même si tu fais plusieurs fois la demande, et nous qui, on va te, tu as beau faire les mêmes demandes de texte, tu n'auras jamais le même texte. Tu n'auras jamais le même format, tu n'auras jamais la même structure, tu n'auras jamais les mêmes sous-titres. Voilà, c'est la grosse différence. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est spécialisé pour le SEO. Et pour le SEO, Google combat, entre guillemets, ce qui s'appelle le contenu dupliqué, le duplicate content. Et à partir du moment où tu as des contenus qui sont dupliqués, bah, tu pénalises à la fois celui qui a fait le contenu, tu te pénalises toi-même. Et généralement, quand tu publies un article qui est déjà dupliqué, s'il voit qu'il y a un site qui a déjà l'autorité, qui a déjà publié le contenu avant toi, il ne va même pas t'indexer. Voilà. C'est ça. Et oui, il ne faut pas que ça ressemble trop à celui du voisin. C'est le souci de ChatGPT, c'est que voilà, c'est toujours les mêmes textes ou la même structure, tu as beaucoup de duplicate. Et, voilà. Si vous faites un test sur un mot-clé très connu, tu vois, comme SEO, je pense que tout le monde a tapé SEO, tu regardes le résultat, tu fais copier-coller, tu balances sur Google et tu vas trouver... après, peut-être pas les SEO parce qu'ils sont pas assez... ils connaissent, ils savent bien qu'il ne faut pas... Enfin, qui va y avoir du duplicate, mais si tu vas te retrouver dans un truc très, très basique et très standard, en fait, dans les textes. Voilà. Bon, mais très bonne réponse, Stéphane. Je pense que Flo est éclairé sur ce point. Alors, je vois que Damien nous parle de Discover. Il nous dit, oui, Discover avant l'IA, c'était un job à plein temps avec plusieurs rédacteurs, donc beaucoup de coûts en amont. Et oui. J'imagine très bien que là, pour suivre l'actualité dans certaines news people, il faut s'accrocher. Hein. malheureusement, c'est vrai que les médias, du coup, ils inventent un petit peu des trucs, ils refont des trucs dit et redit, parce que malheureusement, c'est ce que les gens cherchent. Voilà. Alors moi, ce n'est pas ma spécialité, les people, etc., mais il y a beaucoup de gens où tous les jours, ils vont aller taper leur star favori, pour voir quelle est la dernière actualité. Et c'est vrai que des fois, tu retombes toujours sur les mêmes articles et tu te retombes avec 30 sites qui disent la même chose. Et parce que tout le monde dit la même chose de tout le monde. Et voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des fois des contenus intéressants à dire, mais il faut trouver du contenu pour que l'utilisateur il vienne sur ton site et pour qu'il clique sur tes pubs. Voilà. Voilà. Les sites people, c'est pas du tout mon truc, mais c'est ce qui génère le plus de trafic. Voilà. Par expérience, j'ai pas mal d'échos, c'est que tout ce qui est people, c'est ce qui ramène le plus de trafic. People, foot, etc. Voilà. Ça ne m'étonne pas du tout. Ah oui, ça doit être très, très porteur. Et alors, qu'est-ce que je voyais là ? Cyril Chalamet, est-ce qu'il y aura un moyen ? Bonsoir Cyril. Est-ce qu'il y aura un moyen sur TextBulker de signaler à l'équipe des textes qui ne fonctionnent pas ou hors sujet ? Oui, il y a l'adresse mail du support où on répond, ça nous arrive. Sinon, message privé sur le compte Twitter de TextBulker. Tu peux le signaler, on répond, ou alors moi en direct aussi. Voilà. Et à chaque fois, on s'améliore. Mais il y a certaines choses où on ne peut rien faire. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a fait un message. C'était le top 10 des produits, d'un produit très spécialisé en 2023. Alors et du coup, on a listé des produits, mais ces produits, ChatGPT OpenAI, qui fait ChatGPT, il ne les connaît pas forcément, va sortir quand même quelque chose. Et donc, du coup, je lui ai dit, non, si tu lui demandes le top 10 des produits, il va te sortir 10 trucs, ça, il n'y a pas de problème. Mais les trucs, les données vont être forcément fausses, parce que c'est des trucs très spécialisés. Dedans, dans les 10, il va y en avoir quelques-uns qui ne vont pas être bons. Et en plus, si tu lui demandes 2023, ça va marcher encore moins parce que leur intelligence artificielle sur l'ensemble des données qu'ils ont récupérées, ça s'arrête en 2020,
ça va être en 2020 globalement. Donc, il y a deux éléments dans sa requête qui fait que le top 10 des produits spécialisés, ça ne va pas marcher, plus l'année, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, ce genre de requête, malheureusement, on ne peut pas corriger parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend vraiment de l'intelligence artificielle qui n'a pas ces données. Donc, elle va te donner des infos qui sont fausses. Donc, c'est pour ça qu'on dit vraiment vérifie. Donc, voilà. Donc, là, je lui dis non, tu fais un article un peu plus générique. Là, il n'y aura pas de souci. Et éventuellement, les produits spécialisés, les choses de l'année, à ce moment-là, tu complètes à la main parce que ça, à part, tu vois, ça vient de sortir. Ou alors, maintenant, il peut utiliser Magic Actu. Et là, du coup, c'est bon. Ah oui. D'accord. Voilà. Mais Magic Actu va te faire un article, mais il ne va pas forcément le lister, il ne va pas te retrouver les top 10 des produits, etc. Voilà. Ah ouais. Là, il était plutôt dans un accès type comparateur, tu vois, lister les top 10 produits du secteur. Ouais. Mais voilà, l'outil ne fait pas encore des miracles et n'est pas encore assez poussé pour aller faire le listing des produits, les comparer, faire une description. Ah ouais. Ça viendra peut-être. L'algo qui s'appellerait Magic Affiliation, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, pour ce genre de choses, malheureusement, alors quand on peut corriger, que c'est des petits bugs qu'on peut corriger, il n'y a pas de souci. Il y a pas mal de choses qu'on retravaille après OpenAI pour donner un texte de meilleure qualité par rapport à ce qu'il nous donne en brut sur ChatGPT ou sur directement GPT-3. Mais quand l'IA te donne des fausses informations, ça, on peut rien faire, quoi. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'on a bien à chaque fois le texte et qu'on l'a mis aussi sur la home de notre site. Attention, relisez l'information, vérifiez que c'est bien, que c'est exact. Voilà, pour les trucs grand public, il n'y a pas de souci, mais quand c'est très spécialisé, alors il va t'écrire du texte. Hein. Des fois, tu peux y croire parce que c'est tellement bien expliqué que tu peux y croire, mais quand tu vas plus loin, tu vois que ce n'est pas forcément vrai. Donc, il faut faire attention. Dans certains cas, la donnée peut être fausse. D'accord. Voilà, mais après, s'il y a des petits bugs, des petits trucs, voilà, on a corrigé pas mal, il n'y a pas de souci. Le support, on a l'équipe. Voilà, dans la journée, on répond. Voilà. Alors, je vais répondre à une dernière question. C'est Nico qui nous pose ça, Nico SIOSEM, qui nous demande quelle IA pour créer de la musique. Alors, moi, j'ai testé Mubert, M-U-B-E-R-T, qui fonctionne pas mal. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur la chaîne. Et d'ailleurs, tiens, c'est l'instant réclame, Stéphane, de la chaîne. Ouais. je lance la petite animation. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, faites-le. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut parce que ça va soutenir la chaîne, n'est-ce pas? Et vous pouvez aussi activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Donc, voilà pour la réclame, c'est fait, mais c'est super important pour la chaîne parce que sur YouTube, eh bien, on a un algorithme qui fonctionne un peu différemment et tous ces bons facteurs que sont les pouces vers le haut, le nombre d'abonnements, vont faire que Google fera voir ma vidéo à un plus grand nombre. Et donc, merci de prendre ces quelques instants-là. Merci. Alors, au fait, on a un concours, nous, à organiser, Stéphane. Oui. J'étais en train de juste regarder pour répondre à Nico. Donc, pour la musique, il y a ça. Et pour le son, ouais, que j'avais mis en favori, que j'ai testé, qui est vraiment pas mal, c'est elevenlabs.io. Ah, et c'est vrai que je n'ai pas pensé au partage d'écran, mais je crois que tu peux le faire éventuellement, Stéphane. Tu dois avoir un bouton de partage sur l'appli. Et moi, je vais essayer de bricoler un truc vite fait. Disable caméra, ça doit être ça. Voilà. Vas-y, tu partages, je vais bricoler un truc. Copie. Fenêtre. Tac. Ouais, tu choisis ton écran si tu en as plusieurs. Et tu partager. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Oui, ça y est. Alors, attends, moi, je vais bricoler un truc, là, pour qu'on puisse tous le voir. Donc, je fais hop. Alors, ça va venir. Hein. J'en ai pas pour longtemps. Donc, ça, c'est écran invité. Voilà. Voilà. Je colle ça. Paf. Donc, là, c'est du 1920 par 1080. Je fais OK. Et là, normalement, bim, boum. Qu'est-ce que j'ai?
C'est pas la bonne chose. Tiens, tiens, comme c'est bizarre. Ça Ah. marche pas? Ici, ça marche, mais c'est moi qui ai merdé, si je puis dire. Donc là, Ah. voilà. Eh bien, vous avez à présent l'écran de Stéphane en plein écran. Donc tu Donc peux y aller, voilà. Stéphane. Non, c'est Eleven Labs. Je vous conseille de tester vraiment pour les audios et il fait aussi de la musique. Voilà, ça fait des bonnes petites choses. Et après, j'ai pas testé, mais Corben en avait parlé. Alors, hop, est-ce que j'arrive à le mettre? Il avait fait un article de blog aussi avec un outil qui s'appelle Mubert. Je sais pas si. Ah ben Voilà. c'est ce dont je parlais juste Ah, c'est avant, celui-là? Ouais, ouais. d'accord. Voilà. Et c'était il n'y a pas si longtemps, ouais, qu'il en a parlé le 21 décembre. J'avais mis en favori, j'ai pas testé du coup celui-là. D'accord. Ben c'est Mais très sympa. ouais. Très sympa. Sur la vidéo que j'ai fait, j'en teste deux autres hein, qui sont plus anecdotiques, mais qui permettent de faire mumuse. Hein, voilà. Mais je sais que d'autres arrivent. Et j'ai un abonné qui m'a envoyé un lien, mais alors je ne l'ai pas avec moi ici, c'est sur mon autre poste. Mais je n'ai pas eu le temps de tester, qui paraît qui est très bien, surtout si on fait de la MAO, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va venir apporter une aide IA à la composition de façon très, 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 très sympa. Il m'a cité plein d'exemples, il faut que je prenne le temps de tester. Et Nico, bah, dès que j'aurai retrouvé ça, je t'envoie ça sur Twitter. Donc voilà. Donc, À tester, ouais. Celui-là, je n'ai pas ouais. testé, mais c'est vrai qu'il a l'air d'être. Je sais pas combien ça coûte. Écoute, là, tu es sur Meubert. Ouais. Alors, tu as un abonnement payant, bien sûr, mais tu as aussi l'abonnement ambassadeur. C'est-à-dire, tu prends l'abonnement gratuit, tu peux faire, je crois, 5 titres par mois. Par contre, bah, tu as un filigrane dessus. Hein, c'est-à-dire que D'accord. quand tu le télécharges, toutes les 15 secondes, tu as Meubert. Et Ah voilà. oui, d'accord. ouais. Mais si tu deviens ambassadeur, c'est-à-dire une sorte d'affiliation, Ouais. c'est une affiliation d'ailleurs, tout simplement, eh Ouais. bien, tu vas pouvoir en faire 25 par mois des titres. D'accord. Gratuit, tu peux mettre où tu veux, sur tes vidéos YouTube, etc. Hein. Ouais. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, là, ce que je vois, c'est que ouais, c'est le leader aujourd'hui, j'ai l'impression. De ceux que Ouais. j'avais vus, c'est celui qui donne le meilleur résultat. À tester, du coup. Alors, juste avant, on évoquait effectivement la possibilité d'un concours. Et donc, Oui. j'ai préparé un petit écran, Stéphane. Hop. Ah, je me suis trompé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attends. Voilà, ça y est, j'y suis. Donc, Stéphane vous offre un tirage au sort donc de 4 lots de Textbulker à gagner. Et C'est on va ça. faire le tirage en live bah, dans un petit quart d'heure, hein, dans 10 minutes, un quart d'heure. Le seul truc qu'on vous demande, hein, c'est de mettre un commentaire donc dans le chat avec le hashtag Textbulker. Et puis, à partir de là, bah, dans 10 minutes, on fera un tirage au sort. Et Voilà, je ferai le soin de le faire. Et voilà, après, ça sera. il suffira juste de me donner les mails et puis j'ajouterai le pack. Voilà, donc vous m'enverrez les emails ou vous pouvez les envoyer directement à Stéphane. De toute façon, on aura donc le nom des gagnants qui va apparaître et moi je ferai un post spécial et vous pourrez me contacter à l'adresse mail que j'indiquerai en description de la vidéo et sur ce post. Hein. Donc voilà, on se charge du suivi et donc ça sera dans quelques instants. Donc voilà, à vous les commentaires dans le chat. Je ne sais pas si Dovan, j'ai plus de nouvelles de Dovan. Il a peut-être. Donc Dovan, c'est un abonné, mais plus qu'un abonné, c'est un ami qui officie en tant que modérateur. Mais D'accord. voilà, c'est la première fois qu'il fait ça et ben, on n'a pas de gens à modérer, j'ai l'impression. Dovan, ce fut tranquille, tu nous diras ça.
Donc, Jean Parce que là, tu es en live sur YouTube et sur... Alors, que sur YouTube, d'accord. Aujourd'hui. Pour tout dire, j'ai un appareil, il est où ? Ah, il est trop loin. J'ai une, ce qu'on appelle une YOLOBOX, je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Alors, c'est une grosse tablette Android. Ouais. On ne voit pas Android. Et dessus, en fait, tu as un OS qui a été installé. Et en fait, c'est qui permet de faire de la multidiffusion en multicaméra. D'accord. Et tu peux diffuser en direct en même temps sur Twitch, YouTube, Facebook et pourquoi pas Instagram ou une autre plateforme. Et c'est une boîte magique, si tu veux, qui te permet aussi d'inviter du monde, par exemple. Tu peux avoir jusqu'à 4 invités et à gérer tout ça en mode tactile sur une petite boîte. Donc, c'est la boîte YOLOLIVE qui fait ça. Très sympa. Ils m'ont envoyé ça l'année dernière pour que je fasse quelques vidéos sur leurs produits. Et je ne m'en sers pas assez, quoi. J'ai fait quelques lives en nature, par exemple, tu vois, ou en déplacement, parce que dedans, tu as une carte SIM 4G. Et donc, tu diffuses à partir de n'importe où, quoi. C'est le truc de dingue. Et en multicam, voilà, tu peux lancer tes génériques, faire des incrustations, fond vert. J'en passe et des meilleurs. Ah ouais, donc tu vois, tu peux faire pas mal de choses, quoi. Ouais, alors j'en reparlerai sur la chaîne. Là, il y a une ou deux vidéos dessus déjà, mais voilà, ça viendra. Alors, je regarde mes petites notes parce que... Ah oui, je voulais te demander, oui. Stéphane, on sait que donc ChatGPT est devenu payant, du moins qu'il y a un mode payant aux États-Unis. Ça arrivera un de ces quatre chez nous. Et il va y avoir une API certainement. Est-ce que toi, un de ces quatre, tu comptes tirer parti de cette API sur TextBulker? Ça peut être intéressant pour une chose, oui. C'est qu'il garde l'historique en fait, des données que tu donnes. Pour après te sortir des résultats. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux lui poser des questions, tu peux lui donner des... Voilà, il va garder en historique, il va apprendre de la conversation. Donc, on peut imaginer peut-être... bon, on n'a pas pu le faire pour Magic Actu, mais on peut imaginer le jour où il le sort, de pouvoir peut-être lui donner à manger, entre guillemets, s'il va en parler, mais plusieurs sources ou plusieurs différentes données, en fait, sur lesquelles on veut lui faire travailler, pour qu'il nous donne une réponse par rapport aux données qu'on lui a demandé de traiter précédemment. Ça peut être une solution. Là, aujourd'hui, on est obligé, entre guillemets, parce qu'en fait, tu es limité dans ce que tu lui donnes à manger en taille. Donc, on est obligé en fait, d'extraire les contenus, de les résumer, de récupérer les données essentielles pour lui donner un truc en mode synthèse et pour lui dire en gros, bah, grâce à ça, fais-moi, rédige-moi un article. Mais c'est sûr que le jour où on peut le faire avec ChatGPT, que l'API est vraiment dispo, on pourra peut-être aller beaucoup plus loin et augmenter la qualité grâce à cette sauvegarde d'historique et des données. Voilà. D'accord. C'est ce que je vois, moi, pour mon utilisation. Après, on peut imaginer des choses comme bah, tu lui donnes, peut-être sur des traitements, tu vois, tu lui donnes voilà, le tableau X qui répertorie, je ne sais pas moi, la liste des naissances dans tel pays, tel pays, tel pays. Et avec toutes ces données qu'il a avalées, maintenant que tu as compris la liste, donne-moi quelle est la statistique par pays du nombre de naissances, enfin, je ne sais pas, ou du. Voilà, je dis, c'est complètement idiot ce que je dis, hein, mais du nombre de naissances et avec ces résultats, éventuellement après faire une vidéo IA qui montre en temps réel les graphiques avec l'évolution année par année. Et ça, tu pourras le faire grâce à ce genre de choses, tu vois, où tu vas lui donner les différentes données. Voilà, c'est des choses, voilà, c'est des idées, peut-être après c'est à réfléchir, mais avec cette sauvegarde d'informations pour te donner et pour te répondre par rapport aux précédentes données, les possibilités, il y en a plein. Après, il faut voir par rapport aux besoins. Je pense que ceux qui nous écoutent par rapport à leur métier ou par rapport à leurs besoins auront encore d'autres cas d'utilisation. Mais voilà, c'est la grosse plus-value de ChatGPT, c'est qu'il garde en mémoire les informations. D'accord. Pour après, quand tu lui poses une question ou quand tu lui demandes de l'information, bah, de te faire un... Il peut revenir dessus.
Voilà, c'est ça. Ah ouais. Je comprends, je comprends. Très bien. Alors, je souriais là, il y a un instant, Stéphane, c'est parce que je Ouais. venais de lire une petite blague de Nico qui nous dit, est-ce que comme ambassadeur, tu as des Ferrero chez... Et voilà, il termine par, allez, je sors. Ça m'a fait marrer. Et donc, je salue aussi les billes en paquet donc, qui part, qui nous remercie pour ces échanges et qui nous embrasse. Eh bien, salutations à toi. Et Eh ben. je vois pas mal de dièses Textbulker dans le chat. Hein. Tout le monde va concourir. Donc, Dovan nous dit qu'il n'y a que des personnes bien intentionnées ce soir. Eh bien, c'est chouette. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on aime. Et je vois que, alors, Nico, Textbulker semble incroyable. Je vais pouvoir booster ma production de contenu pour mes sites. Connaissant le travail de Stéphane, la prise en main sera sûrement facile et les résultats rapides. Je confirme. Hein, c'est lui que c'est simple. La prise en main est quasi instantanée. Et je pense que tu seras très satisfait des résultats. Ben merci Nico. Bon ben en tout cas, Nico, voilà, c'est grand consultant, très connu, Ah oui. notamment par ses analyses Systrix. Il fait des super études de cas. Donc, Ah oui, il c'est travaille terrible. sur le marché espagnol. Ouais. Et ben Textbulker, du coup, on a sorti la langue espagnole. Il Et peut oui. rédiger les textes en espagnol s'il veut tester, avec plaisir. Mais voilà, je vous encourage aussi à aller sur le site de Nicolas, Nico SEO. sem.com et son compte Twitter à chaque fois, les études Systrix poussées sur les évolutions des sites, Ah les oui. chutes, les baisses, Ah oui, c'est très éclairant. c'est super, super ce qu'il fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vois Sneak Art. Eh bien, salutations déjà, je suis pas sûr de t'avoir salué. Qui nous dit, il y a quelques jours, je me suis inscrit sur une plateforme concurrente, TextBroker. Quelle fut ma déception? Puis 48 heures après, j'étais ravi de m'inscrire sur le bon site, TextBulker. Bon. On ne va pas dénigrer la Ouais, concurrence, mais tant ouais. mieux si tu as trouvé ton bonheur chez Textbulker. Ouais, on dirait un tweet, enfin un message qu'on a payé, tu sais. Il est trop parfait celui-là, tu vois. Ah ouais, on Je s'est sais pas qui est fait. derrière, mais non, mais c'est gentil. Je sais Ouais, pas si on tout se à connaît, mais en fait. tout cas, ça fait plaisir. Merci. Alors, il y a Simone qui nous remercie. Kev le pêcheur nous dit, j'ai eu des petites surprises avec Textbulker sur des articles de 1200 mots, juste parfait. Ouais. En effet. Ben en fait, c'est assez rare, pour être honnête. 1200 euros, c'est vraiment très rare. C'est vraiment qu'il y a des choses à dire sur le sujet. La moyenne, alors au tout début, on était à 600, 650. Progressivement, on monte. Mais la moyenne aujourd'hui, voilà, c'est à peu près 600, entre 650 et 700 mots, à peu près. Voilà. 1200, ça arrive, hein, mais c'est quand même c'est assez rare. C'est C'est très rare, même. quand il y a la matière, à ton avis, c'est... Oui, bah après, j'ai pas trop d'explications parce que des Ah fois, oui. ça. Donc là, aujourd'hui, on a mis une sécurité, ce qui veut dire que si l'article que nous donne, il fait moins de 420 mots, je crois, automatiquement, on ne vous le donne même pas, en fait. On va le Ah d'accord. régénérer. Ah Et en oui. fait, j'arrive pas à comprendre, mais l'intelligence artificielle, derrière, en fonction de la même. En régénérant, des fois, les Ah tailles changent. C'est pas, je pense que la matière et le sujet jouent beaucoup. ouais. Mais tu as aussi, c'est pour ça que des fois on régénère même, voilà, pour que vous ayez quand même un texte conséquent et bien fait. Et ça, c'est à notre charge, c'est totalement transparent pour vous. Mais c'est des fois, il suffit de relancer pour qu'il fasse des fois un texte deux fois plus long. Mais ça, on n'a pas forcément le contrôle dessus. Alors, tu peux lui dire, fais-moi un texte de X mots, etc. Mais il ne va pas forcément t'écouter, ou même il ne t'écoute jamais, en fait. Pour lui, ça ne veut rien dire. Même si tu lui dis le nombre de caractères, la priorité, c'est plutôt aller rechercher la bonne information, la structurer correctement. Mais après, sur le nombre de mots, il sera. Enfin, c'est pas exact, quoi. C'est très aléatoire. Bon, et il y a Pierre Aloui qui nous dit bravo pour votre présentation des IA et qui plus loin, alors salutations Pierre, qui nous dit plus loin, je vais essayer ton Textbulker car je fais le tour et je cherche ce genre de service. Eh bien,
Bien Bah, sûr. pas de souci, hein. Ça fait un moment qu'on travaille dessus. Ça fait pas longtemps que l'outil est sorti, mais c'est vrai qu'on a pas mal de retours positifs, donc ça fait plaisir. Voilà. Carrément. Carrément. Alors, Simone Color, comme je suis dans le colorial, je peux te dire que les IA nous font très peur. Eh bien, salutations à toi, Simone. Effectivement, tu es dans les arts graphiques. Je comprends que ça puisse te faire peur, mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ce n'est pas la même valeur qu'on va associer à une image sortie de l'IA que celle que tu aurais fait de tes mains. Si moi j'ai envie d'acheter un tableau, je vais me renseigner, savoir qui l'a fait. Et si c'est une IA qui le fait comme on en fait, Stéphane et moi, le soir sur le canapé, je veux dire, en tapant du texte, évidemment qu'à nos yeux, ça n'a pas la même valeur. Et je pense que pour la plupart des gens, ça sera le cas. Donc je pense qu'il faut. Il y a des discours très très pessimistes et Oui. qui sont là pour faire peur aujourd'hui, mais il ne faut pas écouter que cela. Il faut voir aussi les artistes qui se servent déjà de l'IA pour recréer des choses. Et par exemple, toi qui fais du coloriage, je peux te dire que tu peux demander directement à Midjourney de te faire une planche à colorier. Et ça te sort des trucs Ça pas croyables. Ça fonctionne peut t'aider, très par très bien. exemple, et ça fonctionne très bien. Mais je vais en parler prochainement de tous ces trucs, ces styles qu'on peut travailler dans Midjourney et puis les paramètres à utiliser pour obtenir ce que l'on souhaite. Mais sois un peu plus tranquille, Simone. Franchement. Tu peux faire un site de coloriage et si Ah tu es dans ouais. les coloriages, en plus, c'est vrai que des fois c'est difficile de trouver des coloriages parce que ben, ça prend du temps, etc. pour faire le coloriage. Enfin, je ne sais pas si elle est dans les planches pour colorier ou si elle fait vraiment le coloriage, mais en tout cas, l'IA pour générer des coloriages et des dessins de coloriage, c'est vraiment des dessins qui sont simplistes et c'est là justement où elle est le plus fort. Il n'y a pas de problème Ah ouais. d'œil mal fait, etc. C'est vraiment là où enfin, ça donne vraiment des super résultats. Donc, elle pourrait très bien éventuellement générer, faire des maquettes de dessins Ah, et tout à puis vendre fait. même ses coloriages, etc. Donc, il faut voir ce qui est bon pour elle aussi à récupérer C'est pour ça? finalement, si elle est dans le domaine, ça peut être aussi un gros avantage quoi, qu'elle peut avoir par rapport à ceux qui ne savent pas encore utiliser l'IA pour faire du coloriage. Et elle peut avoir une longueur d'avance en générant bah, beaucoup plus de volume ou créer des choses un peu plus spécialisées ou même tu as des IA, en fait, tu lui donnes un coloriage déjà fait, d'une création que tu as déjà faite, et bah, après, tu peux jouer sur les différents ratios, les steps, etc., pour créer des coloriages du même style, mais peut-être avec un petit peu différent, etc. Et pour finalement, avec un coloriage que tu aurais créé sur papier, et avec le style que tu veux, lui uploader ce coloriage à l'intelligence artificielle, et tu demandes à l'intelligence artificielle de trouver d'autres permutations de ce coloriage. Et du coup, avec un coloriage que tu as fait, tu peux en sortir plein dans différentes positions, etc., quoi. Tu peux les décliner et ça peut te donner de l'inspiration. Tu peux nous préciser d'ailleurs, Simone, si toi tu es créatrice de planches à colorier, par exemple, si c'est ton job et si tu as peur de le perdre en quelque sorte, dis-toi que intéresse-toi aux IA et sers-t'en dans ton job. Si C'est tel est le sûr. cas. Bah, c'est surtout qu'aussi, même pour un employeur, enfin, je ne sais pas si elle a son compte ou si elle est employée, mais ça va être une grosse plus-value. Qu'entre quelqu'un qui sait utiliser l'intelligence artificielle et quelqu'un qui ne sait pas utiliser l'intelligence artificielle, l'employeur, direct, bah, avec le buzz que ça fait, bah, si tu mets dans ton CV que tu sais un petit peu utiliser les IA, bah, direct, c'est une grosse plus-value hein, au niveau D'accord. de l'entreprise, quoi. D'accord. Alors Simone vient de préciser, hein, déjà, elle me remercie. Les vidéos sont vraiment intéressantes pour comprendre. Et donc elle nous dit qu'elle fait des illustrations et de la colorisation. Voilà. Donc c'est son job et elle considère l'IA comme un jeu vidéo. C'est plaisant de regarder. Eh bien c'est déjà ça. Je vois que tu n'es pas voilà complètement hermétique à la chose et c'est très bien. Alors j'ai vu passer d'autres choses qui m'ont fait sourire là. Ah oui, c'est Tatiana qui fait la remarque 1200 mots, un article sûrement sur la réforme des retraites.
C'est bien trouvé. J'ai fait un article sur la réforme des retraites aujourd'hui pour voir un petit peu comme c'est le Ah sujet. oui? Et ça va, il est bien. Il est Ah, bien. génial. Avec Magic News? Ouais, c'est ça, tout à Ah fait. ouais. Hein. Je Ah peux ouais. partager si tu veux. Ah ben oui, tiens. Ah, c'est les premiers tests, réforme des retraites. Hop. Allez, je mets ton écran, tu y es. Tac, 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 tac. Ah, putain, celui-là, il est à dire, hein, je vais partager. Hop. Hop. Et ouais, celui-là est très moche, mais voilà. Les manifestants contre la réforme des retraites se succèdent et le projet de loi continue à être rejeté par les Français. Les oppositions à leur texte de loi doit être examiné cette semaine à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron pourrait faire des concessions et revenir sur certains points clés avant son vote. Le 6 janvier 2023, le député du NUPES arrive à l'Assemblée nationale. Tu vois, dedans, ça Ah intègre ouais. des vraies dates. 246 députés se sont prononcés en faveur de l'adoption de cet article, 229 et 229 contre. Donc, tu vois, tu as des vraies informations. Après la D'accord. revalorisation des petites pensions, pour augmenter les petites pensions, le gouvernement souhaite rehausser un minimum des contributions jusqu'à 100 euros. La retraite fixée à 85% du SMIC, soit près de 1 200 euros à compter du 1er septembre 2023, les concessions possibles, voilà. Et à la fin, donc là, j'ai choisi d'afficher les sources, les différentes sources d'articles sur lesquelles on a pioché les différentes informations pour faire l'article, quoi, tout simplement. D'accord, mais Donc, voilà, c'est pas mal, Disney, hein. grève, tu vois, un sujet aussi. Ah Grève, mouvement de grève ne faiblit pas. Donc, tac, 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 31 janvier 2023, mardi, enfin, la SNCV, la circulation est quasiment normale vers l'Est, tu vois, avec une liste à puces propre, tu vois, la situation à Paris, carrément. Paris-Gare de Lyon, tu vois, avec des vraies infos, des vrais pourcentages, Ouais. aperçus du mouvement, etc. Et voilà, si tu copies ça, tu balances sur Google ou que tu testes avec CopyScape, t'as pas de duplicate, alors tu as des petites similarités parce que forcément les chiffres sont un peu les mêmes. Mais t'as un texte qui est unique, voilà. Et vraiment sur l'actualité, tu vois. C'est pas juste on remplace la date par 2023 et qu'on intègre juste les dates 2023. C'est que tu as des vraies infos et tu avais des vraies infos qui sont extraites liées à l'actualité, quoi. Des grèves. Impeccable. Eh Voilà. bien, ça Donc marche celui-là, il alors. fait, bah, tu vois, 596 mots. Alors, par défaut, Magic News, les articles sont un peu plus condensés parce que des fois, enfin, souvent, les articles news sont pas très très longs. Ouais, puis pour éviter les répétitions, peut-être. Ouais, c'est Ouais, ça. Donc, on ouais. fait un nettoyage pour éviter de dire plusieurs fois la même chose, mais voilà. Bah, je La dirais moyenne que reste quand même à 500 mots. quand l'information est dite, c'est pas Enfin, la peine d'en 600. rajouter, hein. Je pense que ça peut demeurer fort, fort efficace. Ouais. Et surtout si c'est des contenus à vocation un peu éphémère, finalement, parce que une C'est actualité ça. ch chasse l'autre, donc. C'est ça. Magique sémantique, c'est des articles qui sont là plus pour durer dans le terme et qui ajoutent une information, une Ouais. plus-value, quelque chose qui est plus sur long terme. Là, les actus, voilà. Bon, là, ça parle de la grève. Dans 2 mois, bon, peut-être qu'on y sera encore, mais l'année prochaine, plus personne n'ira lire ce genre d'article, tu vois. Donc, c'est des données qui sont assez éphémères et plus spécialisées pour l'actualité. À consommer dans le moment présent, mais peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, ces articles-là, peut-être qu'il faudra les supprimer parce qu'ils n'auront plus d'intérêt. Voilà. Et C'est vraiment fait pour les actualités, quoi. carrément, on a bien compris. Et je vois que ça se discute toujours bien dans le chat. Et je me disais qu'on pouvait peut-être faire le tirage au sort. Et puis après, ben on, et bien après, il se fera une certaine heure. On pourra Pas de penser à répondre souci. à quelques questions pour terminer, parce que je vois qu'il y en a encore quelques-unes. Et puis moi, je regarde si je n'ai pas oublié des choses. De toute façon, si j'ai oublié des choses, éventuellement, Stéphane, on pourra se refaire ça un de ces quatre. Oui, non, Hein? mais c'est avec grand plaisir. C'est vrai que là, on a fait ça Hein? un petit peu à Parce que c'est vrai que l'improviste, l'IA, mais ça te passionne, moi, ça me passionne aussi. On pourrait tout à fait imaginer que, voilà, qu'on ouais, faire des fasse un. sujets peut-être spécialisés ou même peut-être, tu vois, faire des tests où je partage mon écran, où tu Carrément. partages ton écran avec des petits tests sur tout ce qu'on a parlé, enfin, tu vois, les différents modèles, etc. Ou Ouais. faire du coloriage, créer tout ça, mais en live, tu vois,
avec ton expérience, avec mon expérience. Carrément. Avec grand plaisir, quoi. Bon, eh bien, on en reparlera. Alors, côté concours, alors, je regarde capture d'écran. Ah oui, il faut que je bascule. Attends, parce que j'ai fait une scène spécifique. Alors, ça doit être ça. Voyons voir. Oui. Alors là, c'est le YouTube Studio, donc c'est pas ça. Je bascule ici. Voilà. Donc, j'ai besoin de quelques instants pour régler ça. Alors, je vais là, je vais là. Je récupère l'adresse de la vidéo. Je jongle avec les fenêtres, mais... voilà, je charge les commentaires. Ouhou. Comment... Voilà, voilà. Alors, donc les commentaires sont chargés, c'est-à-dire que là, bien, vous avez tous mis votre hashtag, n'est-ce pas ? Textbulker, c'est ça, donc il y en a plein, et je fais continuer. Et donc là, je... Donc ça, c'est le titre, très bien. Et des winners, eh bien, il nous en faut 4, n'est-ce pas, Stéphane ? C'est ça, tout à fait. Voilà. Exclude duplicate, bien, oui, il peut, ouais, on ne peut pas avoir plusieurs fois le même gagnant, non, ça serait... ouais, exclude duplicate, oui. Hein. Donc, voilà. Alors, normalement, j'ai une case pour le hashtag quelque part. Filter... by hashtag, voilà, et il faut que je mette texte un cœur sans faire de faute, on est bon, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu oublier voilà, on met un petit compteur de 5, on ouais. Est d'accord, c'est parti Stéphane, j'appuie sur le bouton. C'est bon. Ah, il y a peut-être deux retardataires, là. Oh. Mais bon, je ne sais pas si tu les as comptés dans le chat. Nat Rob et Simone Color. Alors, on regarde. Sinon, c'est trop tard. Sinon, c'est... Alors, ah, Nat Rob. Bon, et c'est pas grave, on n'est pas aux pièces. Je retourne en arrière. Bon, c'est bien pour... Alors, il faut que je recommence, par contre. Non, c'est bon, ah, j'ai encore l'adresse, c'est bon. Start. Ouais, load comment. Allez, maintenant, les retardataires, je ne le referai pas une troisième fois, je pense. C'est fini. Voilà, on est... Là, on a tout le monde. Eh bien, j'ai l'impression... c'est bizarre. Ah oui, mais c'est... Attends, on va faire continue. Voilà. Donc, 4 gagnants. On exclut les duplicates et on filtre par hashtag. Donc, là, on met le hashtag TextBulker. Voilà, tout le monde est là. On n'oublie rien. On a un compte à rebours de 5 secondes. Eh bien, c'est parti. Attention, on lance le compte à rebours. Start. 3, 2, 1, 0. Eh bien, voici. Effectivement, Stéphane, tu as bien fait de nous faire recharger les participants, puisque Natrob est le premier. Donc, Natrob, tu as gagné un pack. Nico, tu as gagné un pack. Kevin U aussi. Et Kev, le pêcheur, eh bien... j'ai l'impression que ce tirage au sort est plutôt sympathique et qu'il va faire plaisir. En tout cas, moi, je vais faire ici récupérer le certificat. Donc, les gagnants, vous vous êtes reconnus. Je mettrai mon email en description et puis vous pouvez aussi aller directement voir Stéphane, bien sûr, mais moi, je transmettrai de toute façon et puis je publierai ce certificat. Alors, je vois que
C'est gratuit, là, cette application de tirage au sort. Je ne connaissais pas, là. Je suis en train de la taper. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, ils te fournissent des trucs vraiment très sympas. Tu peux télécharger le JPEG et puis la vidéo. Donc, on va se faire la totale. Alors, YouTube, voilà, on est au bon endroit. Pardon, je fais ma petite cuisine. Le live des 20 000. Voilà, certificat, hop, le JPEG. Et maintenant, la vidéo. Ah, il faut payer, zut. Bon, la prochaine fois, alors. Bon, ça sera le statique. C'est pas grave. Eh bien, bravo aux gagnants. Hein, bravo et merci. Et merci Stéphane pour ces lots qui vont faire plaisir. Là, je voulais juste rouvrir ça, moi, pour que je rappelle à nouveau les quatre gagnants. Donc, on a Natrob, Nico SIOSEM, Kevin U et Kev le pêcheur. Voilà, et je publie ça dès demain et avec mon email que vous pouvez trouver sinon dans la page à propos de toute façon de la chaîne hein, sur YouTube ici. Hein. Et sinon, ça sera publié. Eh bien, bravo à vous, super content. Je rebascule sur les caméras. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait ? Capture d'écran. Ben oui, parce que tu connais un peu OBS, Stéphane ? Oui, oui, oui. Ouais. Donc, je suis sur OBS, là. Et puis, donc, tu vois, j'ai mes scènes habituelles. Mais c'est... Parce qu'en fait, je m'en sers pour plein de choses d'OBS. Je fais mes visios avec. Je tourne mes vidéos classiques avec. Et je fais des lives. Mais quand on est deux, j'ai une scène un peu spéciale que je bricole. Ah, il est génial ce logiciel, et en plus gratuit, c'est incroyable. C'est dingue, hein. Ah ouais. Quand je suis tombé dessus, je m'en rappelle encore, je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait des mecs qui aient fait ce truc-là, parce que même en termes d'affichage, tu vois, ça manie la vidéo avec, en exploitant au minimum les ressources, enfin, c'est un truc de dingue, tu vois, Ouais, et puis c'est Windows, la facilité où tu peux créer les espaces comme ça, les partager, les redimensionner... Et après, je ne le maîtrise pas aussi bien que toi, mais c'est vrai que des fois, pour filmer un écran ou quoi, c'est vachement pratique. Ah, mais et après, avec le live, ou pour le piloter après avec des outils où tu tapotes, c'est puissant, quoi. C'est puissant. Et je vais en profiter pour faire une petite annonce. Je relance mon truc aussi. N'oubliez pas de le pouce vers le haut, de vous abonner. Et d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et j'en profite pour dire que je prépare actuellement une formation sur OBS. Voilà, je suis dans l'écriture et dans le tournage. Et donc, ça sera une nouveauté sur la chaîne. Donc, c'est une formation avec plusieurs heures de vidéos et qui montrera du début vraiment à la naissance d'un projet pour faire des choses très simples comme de la capture d'écran. Ou faire du live avec des invités. Donc, il y aura plusieurs modules et plusieurs formules, puisque tout le monde ne sera pas intéressé pour avoir le gros paquet. Je pense que je vais le découper en deux ou trois paquets, et on pourra comme ça faire des choses basiques ou aller vers des choses plus pointues, parce qu'effectivement, avec OBS, on peut vraiment faire mumuse, là. J'ai des tas de trucs, là, mais je peux pas... Non, je vais pas le faire voir. Ça m'intéresse, soir. Hein. Ouais, c'est bien. Écoute, je serais ravi de t'avoir comme... Je viendrai, sans faute. Comme élève, super. Alors, c'est ma première formation en ligne. J'en ai fait pour des clients. Mmh. Même un paquet. Quelques-unes, quoi, voilà. Souvent, évidemment, elles sont écrites hein, par les clients. Je reçois tout le paquet et je monte ça sur des systèmes. Donc, ça peut être du LearnDash, ça peut être des plateformes en ligne. Il y en a un certain nombre qui existent. Et c'est plutôt sympa à faire. Tu as eu l'occasion de faire ce genre de choses toi-même, Stéphane ? Pas encore, non. Pas encore ? Ça viendra peut-être.
Alors, J'ai fait des formations, mais c'était à l'époque où je faisais des formations sur Zenoposter, où ah le client oui. avait un besoin d'automatisation. Et D'accord. du coup, en fait, c'était une formation, mais où en même temps que la formation, je crée le robot qui permettait d'aller automatiser ses tâches. Ah Voilà. ouais. Mais après, c'est vrai que bah, c'était le plaisir de former, mais après, j'en ai plus fait. J'ai arrêté par manque de temps, quoi. Mais c'était très plaisant. D'accord. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que là, tu viens de citer le nom d'un logiciel, Zenoposter, hein, qui est aussi un outil dans son genre qui est C'est incroyable. incroyable. Sans Zenoposter, je le dis souvent, mais je ne suis rien du tout. J'ai commencé avec ça, vraiment à Ah ouais. automatiser, à faire les clics. Et en fait, tout ce que vous faites sur Internet, les clics sur les pages web, etc., cet outil, en fait, permet d'automatiser. Et après, tu peux lui ajouter des conditions intelligentes en disant, bah, si ça, alors fais ça, etc. Tu peux le connecter à des bases de données, tu peux récupérer de la data, des données, les enregistrer. Voilà. Ouais. J'ai essayé brièvement. J'y reviendrai sans doute à cet outil. J'ai essayé aussi Automa, une extension Chrome. Tu as peut-être vu Oui, passer ça. oh. Et c'est Oui. pas mal, hein. J'ai scrappé un site entier dans une Google Sheet. Un soir, tu vois, sur le canapé, je ne savais pas quoi faire. Voilà. Et je précise que c'est un site à moi, mais c'était juste pour voir Ouais. l'effet Non, non, mais produit. c'est. Non, non, c'est. Je connais de nom, mais je n'ai pas utilisé. Mais c'est Ah vrai qu'au ouais. niveau puissance, aujourd'hui, Zenoposter, c'est le meilleur. Mais voilà, il faut. Ouais. Après, il y a pas mal de ressources sur Internet, des chaînes YouTube qui l'utilisent. Et puis, il y a Laurent Sauvage que j'ai formé, qui fait des petites formations aussi. Il y a D'accord. Frédéric d'Investir en Slip, peut-être que tu connais, qui Ah avait mais oui, sorti tout à aussi. fait. Ah oui, c'est Il avait super ça. sorti une formation aussi sur Zenoposter. Ah ouais. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est juste un petit peu de pratique et s'y mettre. Mais c'est très intuitif, en fait. C'est D'accord. des scénarios, c'est très graphique. Bon. Mais là, si on y parle, on est parti encore pour une Eh bien, écoute, une autre fois, tu as raison. Alors, je regarde brièvement dans les commentaires. Alors, il y a Simone, voilà, qui nous félicite à nouveau. Elle nous rappelle, voilà, que le monde des illustrateurs, ont peur de l'IA, hein, voilà, parce qu'ils voient beaucoup de livres réalisés avec l'IA sur Amazon. Et ça, c'est bien possible. Ah oui, Effectivement. Ça ne m'étonnerait pas. Eh bien, il faut mettre sur les livres faits à la main. Et puis oui. les Ah, autres. en France. Fait en France avec voilà, avec les mains et un vrai cerveau. À la main et avec amour. Voilà, c'est ça. Alors, il y a Ratana. Bonsoir, Ratana. Les sources dans Textbulker, c'est uniquement sur Magic News? Oui, tout à fait, parce que c'est là vraiment où on va extraire les données et on va les injecter sur les sites. Donc c'est vraiment là où, en fait, ce qui se fait souvent sur les sites d'actualité, c'est que souvent ils font la news et en dessous ils marquent les sources des articles. Et donc par défaut, voilà, TextBulker, tu peux générer un texte par IA, mais on t'affiche les sources. Après, c'est toi qui décides si dans ton projet tu veux afficher ou pas afficher les news, dans l'article, je précise bien. Mais quoi qu'il arrive, tous les articles que tu feras avec Magic News, tu auras toujours un onglet où tu verras les sources sur lesquelles on allait récupérer les informations et où on a extrait les informations. Mais c'est que sur Magic News où il y a ce genre de choses. Parce que les autres, en fait, c'est assez random et c'est sur une moyenne globale des mots-clés sémantiques. Donc il n'y a pas vraiment de source, en fait. Voilà. Les sources, c'est surtout les mots-clés sémantiques qui vont être extraits. Mais il n'y a pas de données pures qui vont être récupérées, réinjectées, tu vois. Ça utilise beaucoup moins les données sources. D'accord. Très bien. Alors, il y a Capman aussi qui nous parle, qui nous dit, sachant que l'agence France Presse fournit énormément de sites avec du contenu similaire, comment tu gères cela? Après, ça, c'est surtout l'IA et notre réécriture Ben c'est qui ça, ouais. font, qui fait ça. Mais voilà, le fait que. C'est vrai que c'est un défaut d'ailleurs des sites d'actualité, c'est que souvent, eh bien, ils récupèrent les infos de France Presse ou d'AFP, etc. Et ils font juste Beaucoup un duplicate. copier-coller voilà, sur leur site. Et l'avantage de ça, c'est qu'il va réécrire quand même le contenu. Alors, il va y avoir un petit peu de similarité, contrairement aux deux autres algos, mais tu n'auras pas de duplicate content au niveau Google. Voilà.
mais les infos seront similaires. Mais c'est l'IA qui fait ça, en fait, qui fait cette réécriture et ce travail de synthèse et d'agrégation de données. D'accord. Alors, je crois bien que Natrum nous demande si le live sera en diffusion, en rediffusion, bien sûr. Donc, il sera disponible certainement assez rapidement. C'est YouTube qui recalcule, enfin qui recompresse la vidéo. Donc, si elle n'est pas disponible tout de suite, ça le sera dans quelques heures. Et Simone nous dit bonne idée hein, donc pour marquer fait avec les mains et avec un vrai cerveau. Absolument. Il faut se défendre hein, activement. Ouais, Alors, c'est vrai. là, j'avais du retard, disons, sur le chat. Donc voilà, mais il y a plein de gens qui sont contents des résultats du concours. Il y a les gagnants aussi, mais des autres qui se réjouissent pour les gagnants. Donc, belle Ah, mais il y a Julien mentalité. Oh, Jiménez ben dites aussi qui est donc, eh passé. ben là, c'est super. Bonjour, Julien. On ne se connaît pas, mais C'est lui le boss. c'est lui le boss. Et je suis très honoré que tu sois parmi nous ce soir. Merci de ta venue. Et j'espère que tu as passé un bon moment, même si tu ne fais qu'arriver. Voilà, on a consacré ce live qui sera rediffusé à Textbulker, à l'intelligence artificielle et à l'IA, ces sujets qui font un peu l'actualité. Et puis voilà, on a fêté aussi les 20 000 abonnés de C'est cette beau, hein? C'est chaîne. incroyable. C'est Oui, incroyable. Hein? c'est super, ouais. Carrément, je suis très heureux de ça. Bah après, enfin, quand tu regardes la qualité de tes vidéos, enfin, c'est Ah, très merci. pro, c'est très professionnel. Là, rien que voir là, comment tu te filmes avec la petite caméra, avec le petit flou derrière. Oui, et ça, c'est merci mon vieux Sony A6000. Hein, tu vois, c'est un appareil qui est sorti il y a 10 ans. Ah ouais, ça fait Presque. 10 ans quand même. Ouais, il a 10 ans cet appareil. Et on le trouve aujourd'hui sur le Bon Coin à 300 euros. Tu vois, des gens qui n'auraient pas un budget énorme pour se lancer sur YouTube, eh bien. Voilà, hein, c'est le budget à peu près de Incroyable. cette caméra. Tu as une prise HDMI, tu sors, tu mets ça sur ton capture card et c'est parti, mon kiki. Hein, et ça passe dans D'accord. OBS, tu vois. Alors, évidemment, hein, il y a toujours le budget du micro qu'il faut prévoir, mais un petit micro-cravate, ça fait l'affaire. Voilà. Mais donc, c'est vrai qu'une belle image, le secret, c'est la lumière. Ouais, t'en Ici, tu as vois. combien? T'en as une seule? Une seule, Deux? c'est une lumière. Alors, je suis pas cadré assez long. Alors, attends, je passe brièvement sur du plus large. Voilà, c'est une lumière qui est large comme ça. Voilà, je reviens au truc de groupe. Et donc, qui est un peu à 45 degrés comme ça, qui me douche. Et ça fait du 60 watts en LED, hein, donc ça consomme moins que ça. Et elle est à peine au quart de sa puissance. Et D'accord, ça suffit. tu vois, ça me permet d'avoir un fond sombre comme ça, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Mais si je voulais un fond clair, eh bien, je pourrais mettre une autre lampe derrière qui, hein, tout, voilà, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est vraiment le secret, parce que si je la coupe, tu vas voir, L'image est dégueulasse, ouais. ben, la mâche, évidemment, l'image sera dégueulasse, surtout que là, il n'y a pas d'autre lumière. Hein, donc, hop, tu vois. Encore, ça brûle pas trop, mais là, on voit carrément plus. Hein, je suis désolé. J'ai pas d'autre lumière sous la main, non. Ah, Mais c'est le secret, ouais, c'est ça, c'est le c'est secret. l'éclairage, quoi. Et si tu as une webcam, c'est le même truc parce que le capteur est petit et il va être gourmand en lumière parce que s'il n'en a pas beaucoup, il saura mal interpréter les couleurs et il va y avoir du bruit qui va être généré. Et donc, voilà, le secret, c'est la lumière. Il vaut mieux mettre voilà, 200 euros dans une lampe comme celle-ci avec un pied, tu vois, et puis une webcam ou même un téléphone, hein, parce que. Un téléphone, ça fait une image plus qualitative qu'une webcam standard. Hein. Euh, le, le problème, c'est que pendant que le téléphone fait la webcam, il fait plus téléphone. C'est Donc, sûr. hein, ça peut être gênant. Mais pour faire de la vidéo YouTube, c'est une bonne lampe et un téléphone. Et Ça c'est parti, suffit. mon kiki. Et puis après, au fur et à mesure, voilà, c'est pas non plus la caméra qui fait la qualité
du fond d'une vidéo, bien sûr. Hein. Puis il y a des gens qui font de super vidéos sans faire voir leur tête. D'ailleurs, voilà, c'est toutes les formes existent hein, sur. C'est sûr. Sur YouTube. Ouais, il y en a des choses à faire. Oh, il y en a des choses à faire. Il y a des choses à faire, des choses à dire. Et je vois que ça discute donc. Dans le chat et ça c'est cool, je pense que c'est un des meilleurs lives de la chaîne voilà, parce que souvent c'est un peu plus confidentiel, là on a accueilli pas mal de gens de la sphère SEO grâce à toi Stéphane, donc merci. Oh, bah, j'ai rien fait. Il y a Julien qui remercie aussi pour le live, et eh bien salutations à toi Julien et bravo pour tout ce que tu fais, je suis ça de loin, mais d'un œil particulièrement intéressé. Et j'admire pas mal des choses que tu fais. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on a des merci de partout, hein, Stéphane. Voilà, le super. Son aussi, Kev dit super son. Ben, on avait un super son, c'est cool. Ouais, c'est vrai que tu as un bon son et ça, c'était agréable, Stéphane aussi. Parce que voilà, il y a la lumière et le son. Il y a le son aussi. Hein. Vaut mieux avoir. Voilà, pour le coup, moi, c'est une simple webcam. Alors, je me suis fait un setup un peu plus sympa là-haut, mais je n'ai pas eu le temps, vraiment sous l'eau, je n'ai pas eu le temps de l'installer. Bon. Avec un beau petit micro, un truc, ah ouais. Essayer de faire un truc un peu plus professionnel. Mais pour le moment, c'est une petite webcam Logitech. Eh bien, ça marche. Elle fait l'affaire. Ah, ouais. Carrément. Et ton micro, c'est quoi ? C'est le micro de la webcam Logitech. Non. Ah ouais ? Si. Ouais. Putain, ouais. C'est trop bon. Il n'y a pas d'écho, là ? Tu travailles le son un peu derrière ou... Non, c'est juste la caméra, hein, c'est tout, je parle. Wow. Mais c'est vrai qu'apparemment, ouais, on m'a dit que ça faisait du bon son. Donc... Mais carrément, voilà. Mais alors là, tu vois, c'est... Bonne nouvelle, merci pour cette info. Eh bien, je te donnerai le modèle, si tu veux. Ouais. Eh bien, c'est juste après la Stéphane. HD. Attends, bah écoute, je sais pas le modèle, mais je te le. Tu trouveras ça. Ouais, je trouverai ça. Ah ouais, c'est très bon modèle à conseiller alors, hein, parce que alors là, je savais pas que le micro pouvait être dessus, dis donc. Génial. Impressionnant. Et donc, il y a Tatiana qui nous dit est-ce que Textbulker a un programme d'affiliation ? Non, on n'a pas de programme d'affiliation pour le moment. Non. Je ne sais pas si on en sortira un peut-être l'année prochaine, mais pour le moment, c'est vrai qu'on est plus focus pour faire vraiment un très bel outil avec pas mal de fonctionnalités. Ouais. Et programme d'affiliation pour le moment, il n'y a pas de programme d'affiliation pour le moment. Ça ne doit pas être simple à mettre en place, en plus, je ne connais pas, j'imagine. Ouais, bah c'est que c'est un peu plus de... Voilà, il faut gérer les facturations, puis voilà. Après, je l'ai déjà fait sur IsIndexed, enfin non, sur IndexMino, on a un programme d'affiliation. Mais là, pour le moment, sur Textbulker, pour le moment, on est sur les fonctionnalités, et voilà, c'est pas pour de suite. Voilà, peut-être qu'on le fera plus tard, mais pour le moment, on n'en a pas. Alors, je sais, c'est une erreur, hein, parce que tous les services en ligne l'ont. Mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus sur faire peut-être le juste prix plutôt que de faire un truc plus cher et de faire un programme d'affiliation pour revenir au tarif normal. Voilà. Je comprends bien. Bah, écoute, c'est l'idée, pas mal, c'est en effet. Si OpenAI baisse les tarifs, peut-être qu'on créera le programme d'affiliation, tu vois. Puis, ouais. Du coup, ça nous empêchera de trouver les prix. Mais pour le moment, on était plus sur garder le juste prix et pas faire un truc surcoté. Après, c'est vrai qu'on perd beaucoup au niveau marketing, mais pour le moment, on n'a pas. Bon. Sinon, je regarde dans les gestionnaires de périphériques. En fait, j'aurais dû aller directement là. C'est la C525. Voilà, Logitech. C525. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Alors, c'est assez vieux, hein, mais... Franchement, je trouve ça très bon. Et ce n'est pas la peine. Alors, vous voyez, ce modèle, c'est un très bon exemple de ce qu'il faut acheter. Et il ne faut pas dépenser des fortunes dans les webcams. Il vaut mieux garder ses sous puis s'acheter un petit truc, un petit APS-C d'occasion avec une prise HDMI derrière, plus tard. Mais ça fait vraiment l'affaire. En plus, avec un micro qui sort un bon son. Donc, vraiment, c'est tip-top.
Eh bien, écoute, Stéphane, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette longue soirée de live? Oh, bah écoute, c'était un plaisir. Du coup, voilà, je suis encore au bureau, je suis resté un peu plus tard. Donc voilà, là, on va rentrer tranquillement, mais ça fait bien plaisir. Et puis, si un jour tu veux refaire, c'est avec grand plaisir. Eh Voilà. bien, Et on en peut-être essayer reparle. de peut-être préparer un sujet, tu vois, et faire peut-être un Carrément. truc en live. Voilà, Ouais. c'est pas mal. L'idée me plaît beaucoup et autour de l'IA, eh bien, on prendra rendez-vous, Stéphane. Et puis déjà, un grand merci à toi pour ce C'est moi qui te moment, remercie. pour ton outil, pour ta générosité. Et je te Non, c'est dis rien. à très bientôt. Alors, on peut s'attendre 2 secondes une fois que j'ai Pas de fermé souci, oui. le tuyau pour un. Et puis on va saluer tout le monde. Alors merci à vous tous qui êtes restés bien tard aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci.